sont les cœurs? Où sont les cœurs? Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je veux voir les cœurs, pomper les cœurs. Battez les têtes de mort. Oh, vous allez me décourager ce soir-là. Où sont mes commandants? Vous allez me décourager ce soir. Je croyais que vous allez mettre des cœurs. Regardez combien de fois les gens ont mal. Regardez comment Atangana est en train de grossir. Atangana est en paix. Ma paix dérange. Je suis en joie. Ma joie fait peur. Pompez les cœurs, mettez les cœurs. Eh, je ne vois pas les cœurs. Où sont les cœurs? Atangana veut parler. Où sont les cœurs? Atangana veut parler. Mettez les cœurs. J'ai dit à 5000 personnes, je commence à parler. À 5000 personnes, je commence à parler. Peuple du Cameroun, je vous dois la vie. Peuple du Cameroun, je vous dois la vie. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Oh, papa, là, ma cause, on veut parler un peu. Là, je suis très épuisé, là. Mais j'ai envie de chicoter un peu, s'il vous plaît. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les cœurs, s'il vous plaît? Est-ce que je peux voir les cœurs? Je veux voir assez de cœurs. Et je veux voir écrit que Dieu bénisse le Cameroun. Tu es Sénégalais, tu me suis. Tu es Ivoirien, tu me suis. Si tu aimes le général, écris que Dieu bénisse le Cameroun. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas assez de cœurs. Mettez-moi les cœurs. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Où sont les cœurs? Je veux danser pour le peuple camerounais. Aujourd'hui, c'est la fête du peuple camerounais. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Si je vois les 5000 personnes, je casse des pavots.
grand de toujours, qui s'appelle Espérance. On combina la descente comme un saoudien. J'ai 15 ans. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Aïe, aïe, aïe. La page restreinte. Le général est sur ça. Il a le monsieur Mike sur la main. Il est fort, hein, Makoso. Non, Makoso. Makoso. Est-ce qu'on peut faire ça? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Appelez-moi la rébellion. Appelez-moi la rébellion. Appelez la rébellion. Je dis, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique et peuple du monde entier, vous qui avez fait le choix de dire, il est mauvais, on est avec lui. Il est Judas, on est avec lui. Il est menteur, on est avec lui. Ce que nous on sait, c'est qu'il est le général. Kami Makoso, El Pipe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme qui ne recule jamais. La rébellion a été correctement matée. Mettez, j'ai dit, mettez les cœurs. Donnez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Vous allez vous rallier. J'ai dit, vous allez vous rallier. Votre deuxième Yorobo, votre deuxième Arafat, que vous avez tant recherché d'abord de retour. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Mettez les cœurs ici. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs, s'il vous plaît. Je vais retourner la caméra. Ici, là. Voici la caméra. Mettez les cœurs ici. Tous ceux qui sont... Oh là là, je vois les Gabonais. Les Gabonais, merci. Cliquez ici, partagez. À droite, ici, là. Vous allez voir. Regardez, par exemple, ici. Les groupes apparaissent directement ici. Mais pour d'autres personnes, quand vous allez cliquer ici, partagez. Ici, partagez. Là, il y aura partagé dans le groupe. Et vous allez partager dans tous les groupes qui vont s'afficher. Je veux voir les cœurs. Regardez les têtes de mort. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? J'ai tellement partagé que je suis bloqué. Ils ont peur de quoi? Tous ceux qui mettent les têtes de mort. Tous ceux qui mettent les têtes de mort. Que la mort localise vos parents et vos familles. Je m'appelle Kami Makoso. Atangana est mon nom désormais. Je m'appelle Kami Makoso. Atangana est mon nom désormais. Ça tremble, les gens ont peur. Ça lance les directs matin, midi, soir. Mais j'ai beaucoup de choses à dire ce soir. Ce soir, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Puisqu'à Meryl, elle dit, tu n'es plus pasteur, va demander à ton grand-père. Ton grand-père, le vieux sorcier, là, va lui poser la question, mal élevé que tu sois. Quand tu n'as pas bien baisé, ou bien on a fini de te baiser, que tu n'as pas joui, là. Faut pas venir mettre ta frustration sexuelle ici. Là. Non, on n'est pas là pour ça. Hein. L'homme que vous voyez devant vous, on l'appelle le ressuscité. Je suis, comment il s'appelle? Lazare, le ressuscité. L'homme qu'on a voulu enterrer. L'homme que les gens ont déclaré, c'est fini pour lui. Marcos ne peut plus se relever. Tout un pays s'est levé contre lui. Jusqu'à en faire une chanson. Hey! On met chanson à mon nom. On fait sortir clip à mon nom. Rien que pour me rabaisser. Rien que pour me détruire. On chante le nom de tous mes ennemis. Tous ceux qui me détestent. Les parrains des omités qui étaient cachés dans l'ombre. C'est eux qui finançaient des choses. Aujourd'hui, le cul est dehors. Ils viennent faire des déclarations. Moi, je me quitte dedans. Moi, je vais désormais me concentrer sur mes activités. Tu n'as pas dit, si on dit ton nom, tu allais porter plainte. Petit lâche là. Vous fuyez maintenant. Vous fuyez, vous tous. Vous abandonnez le combat. Venez maintenant. Bande de plaisantins que vous êtes. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Kami Makoso est présent. Vous avez, j'ai dit, actuellement les cœurs. J'ai dit, je veux voir les 10 000 personnes connectées ce soir. Peuple du Cameroun, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Burkina, ma terre adoptive, dont je m'appelle aussi Ouédraogo. Il y a vu des Burkinabés qui m'amènent des messages. Donc toi, tu n'aimes plus le Burkina maintenant, c'est le Cameroun. On peut être bête comme ça. Quand les Camerounais, je vais vous dire une chose.
jusqu'à ma mort, je serai éternellement reconnaissant aux Camerounais. Sur les 5 mois à venir, tous les fonds d'entraide réservés aux Ivoiriens est suspendu. J'ai dit ça. Notez, hein, faut que ça s'acclare. Voilà. Tous les... Non, je vais diviser en deux, Makosoto aussi. Faut pas être trop dur avec ce peuple-là. Ils ont été manipulés. Ils ne savaient pas. On les a manipulés. On les a fait croire que les ennemis ont voulu faire quelque chose. Ils t'ont donné nos Judas. Maintenant, ils sont en train de regretter. Ils ne savent même plus où ils vont partir. Ils sont devenus comme des poulets sans propriétaire. Makoso, reprends tes abonnés. Ils te demandent pardon. Reprends tes abonnés. Mais ils m'ont humilié. Je voyais les messages. J'ai dit, quand Cameroun a perdu, quand le Cameroun a perdu, c'est comme si des gens me guettaient depuis des années. Ils étaient là, ils attendaient. Ils priaient, oh Seigneur, le Cameroun est qu'à perdre. Ce qu'on va monter à Makoso. Dès que le match est fini, j'ai reçu plus de 600 messages inbox. C'est-à-dire, les messages venaient comme ça. Papa, ton barbier, c'est fini pour toi. Tu vas plus. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils pensent que je suis encore au Cameroun. Il y a des gens aujourd'hui là, ils pensent que Makoso au Cameroun, il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Pourtant, depuis lundi, je suis à Abidjan. Pour eux là, je suis encore au Cameroun. On peut être, j'ai dit, je demande pardon aux 7000 personnes qui sont connectées. Je vous demande pardon. Je me mets à genoux devant Dieu. Je vous demande pardon. Pardon. Si 7000 personnes partagent la vidéo dans 10 groupes, ça fait 70 000 partages. On n'a jamais vu ça sur Facebook. Mes amis, on n'a jamais vu ça sur Facebook. Je m'en vis là. Je serai éternellement reconnaissant aux Camerounais. Je serai éternellement reconnaissant aux Camerounais. On a voulu me tuer. On a voulu me humilier. On a demandé à tout un pays de m'humilier. Les Camerounais auraient pu dire, c'est pas notre parole. Non, se mêle pas de ça. Makoso, c'est entre toi et tes frères. Nous là, c'est pas notre pays. Les Camerounais auraient pu me lâcher. Dieu. Oh Dieu, je t'en supplie, bénis le Cameroun, Seigneur. Moi, je ne suis pas parfait, Seigneur. Je n'ai jamais dit que je suis un bon pasteur. Mais tu m'as aimé, papa. Père, tu m'as aimé. Tous les Camerounais abonnés à ma page, Seigneur. Je m'humilie devant toi, Jésus. Je me couche devant toi, Seigneur. Il faut les élever, papa. Faut les bénir, Seigneur. C'est ma mort qui était programmée. C'est ma mort. C'est ma mort. Hey, vous ne savez pas ce que... J'ai envie de dire des choses, mais j'ai peur. J'ai peur de réveiller des sentiments dans le cœur des gens. On prend le téléphone, on m'appelle. Des gens vont se cacher dans des toilettes. J'ai dit des autorités du pays. On fait réunion. Ils sont obligés de dire, mais pissez. Et puis il m'appelle, il dit, Makoso, c'est pas bon. Il dit, Makoso, c'est pas bon, tu as fait quoi? Je dis, mais il fait quoi? Il dit, ah, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Allez demander, même Yaka, mon frère, m'appelle de la France. Il dit, général, Yaka, excuse-moi, hein, mais il parlait mon cœur. Yaka me dit, Makoso, si tu peux quitter le pays, quitte le pays rapidement. J'ai dit, pourquoi? Il dit, ah, ils ont décidé de te faire arrêter. Il dit, général, quitte le pays. J'ai dit à Yaka, champion, le dernier combat qui me reste, peut-être ça sera devant un juge. Des gens qui m'aiment sont obligés de m'appeler. Mais parce que quand tu es pasteur et quand tu es le président des pasteurs, ça fait mal au cœur, mes amis. Ça peut tuer des gens. Mais on veut pas. On a vu la dernière réunion du général avec son bureau. Quand des personnes t'appellent, il dit, ah, général, c'est pas bon ici, hein. Dans l'affaire de justice, ça, c'est pas bon. Ton nom est trop. Si tu peux quitter le pays, quitte le pays. Quand tout va se calmer, tu viens. Vous ne savez pas ce que les Camerounais m'ont fait. Hé, Seigneur. Et vous savez, ce qui me touche encore,
c'est que ça fait deux fois. La première fois, je suis allé au Cameroun. Les Camerounais me connaissent. Ceux qui sont à Douala me connaissent. Plutôt, à Yaoundé me connaissent. J'ai organisé plus de 5 programmes à Yaoundé. Donc, mes bons parents ivoiriens, j'étais dans l'église. Le pasteur Kandem Dieu ne dort. C'est le meilleur prédicateur francophone. C'est vrai qu'entre lui et beaucoup de Camerounais, il y a des problèmes. Parce qu'il y a eu une affaire d'argent. Dont un ivoirien. Que le pasteur Yoro est allé dire à Kandem. Voici placement d'argent, ça rapporte beaucoup d'argent. Le pasteur Kandem est rentré dedans, il a mis ses fidèles dedans. Quand c'est ses gars, la Côte d'Ivoire fuit. C'est tombé sur Kandem. Lui là, je ne peux pas venir mentir devant des gens. Dans son église, on a organisé une veillée. Après la veillée, on a fait dimanche. Et on a organisé séminaire mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et dimanche, j'ai fait près de 7 jours de programme. J'étais épuisé. Et j'ai dit, Dieu me révèle qu'il y a une femme ici qui a un mal là. Elle est là, dans cette rangée. Lève-toi. La femme ne se lève pas. Nous aussi, dans notre jargon de pasteur, on s'est marmaillé pour que les gens se lèvent. Et j'ai dit, je la vois mourir le samedi prochain. C'est là la femme s'est levée. Quand elle venait, parce que mes programmes se font en direct, j'ai fait ça. Toi, on t'appelle, tu ne réponds pas. Les Ivoiriens ont coupé la vidéo. Ils ont mis un petit son. Pas. Pendant que je suis dans l'avion, en train de quitter Yaoundé pour venir en Côte d'Ivoire, les blogueurs ivoiriens ont partagé ça sur toutes les pages. Makoso a giflé une femme au Cameroun dans la même période où Kofi Olomide avait tapé l'une de ses danseuses. Ils ont commencé à signer pétition pour qu'on me mette en prison. C'est les Camerounais qui ont fait vidéo. Le pasteur, là, il s'appelle le pasteur Alex. Il a fait vidéo. Il s'est assis avec tous ses fidèles. Et puis ils ont dit, Makoso Camille, c'est le peuple Cameroun qui parle du Cameroun. Tu es venu dans cette église, tu as giflé une femme. La voici, elle a été guérie après ta gifle. Mon général, reviens au Cameroun, frappe-nous, gifle-nous, on n'est pas à t'accepter. Voici comment les Ivoiriens ont fui. Les Camerounais auraient pu dire, tu as tapé une femme camerounaise, on ne te pardonne jamais. J'ai donné 1 million à cette femme pour financer son projet. Je suis retourné au Cameroun. Ils ont loué des bus pour venir me chercher à Yaoundé. Pas parce que les Camerounais sont bêtes. Parce que les Camerounais, c'est le peuple le plus vrai en Afrique. Quand ceux-là, ils t'aiment, ils sont prêts à mourir pour toi. C'est comme les bêtés en Côte d'Ivoire. Quand bêtés attachés à toi, ils sont attachés à vie. En matière des intellectuels, les Camerounais sont trop en avance. Le président Bongo disait, si vous voulez voir les plus grands intellectuels francophones et ceux qui sont les plus grands écrivains, qui savent écrire les discours, allez au Cameroun. C'est pas débat. C'est pas débat. Allez au Cameroun. En matière d'analyse, même en matière de journaliste, tous les, comment on appelle ça, les conseillers, c'est des Camerounais. Faut apprendre à reconnaître les bienfaits d'un pays. Je serai jusqu'à ma mort, je serai éternellement reconnaissant à un peuple qu'on appelle le Cameroun. Les Camerounais et les Camerounaises, c'est ma vie, c'est ma partie de cœur. Mon âme est attachée à ce pays. Pas parce que je suis bon. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Est-ce que vous vous rendez compte de quand tout un pays est en train de se lever contre toi? Je vois des abonnés qui sont de retour. Badolo, il dit, tu es un comédien, mon frère. Si ma comédie te permet de rire et te donne de la bonne humeur, c'est que je joue un rôle important dans ta vie. Donc dis-moi merci. Je veux voir les 10 000 personnes connectées, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Partagez la vidéo. J'ai pris un engagement de ne plus jamais couler des larmes devant les réseaux sociaux. Jamais. Parce que les gens attendent de faire les captures pour dire, voilà, Makoso pleure. Non. Je pleure dans mon cœur. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas eu l'humilité de dire, on va analyser, on va réfléchir pour savoir l'acte que Makoso a posé, c'était bien ou c'était mauvais. Je vous demande pardon de partager la vidéo. Je ne vois pas les partages. Je vais vérifier, nous sommes à combien de partages. Je veux voir aujourd'hui les 70 000 partages. C'est possible. 7 000 personnes partagent. On est 7 000. La page là, ce n'est pas cospoté. Il n'y a pas une autre page qui est en train de diffuser le direct. Je suis en direct sur ma page.
Mettez les drapeaux camerounais, même si vous êtes ivoirien, mettez les drapeaux camerounais. Ils ont sauvé le général Camille Makosso. Vous savez pas, hein? Il y a des périodes que tu vis et tu as envie de te suicider. Il y a des humiliations, des frustrations que tu vis. Tu as envie de te donner la mort. Tu es au volant et puis tu as envie de foncer. Aujourd'hui, là, je comprends qu'est-ce qui a animé le cœur de DJ Arafat avant sa mort. Les Ivoiriens l'ont lâché, les Ivoiriens l'ont abandonné, les Ivoiriens l'ont humilié, les Ivoiriens l'ont insulté. Maman Tina, je te demande pardon si je prononce le nom de ton fils dans cette affaire. Je me reconnais dans cette affaire. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. C'est maintenant qu'il a parlé. C'est maintenant qu'il a commencé à dévoiler des choses. C'est maintenant qu'il a dévoilé des choses. Nous sommes à combien de partages? Je vois 4000 likes, mes amis. Je vois seulement 5000 partages. Non, je refuse. Je refuse. Mettez les cœurs. Ici, là, mettez les cœurs. Je vous demande ici de mettre les cœurs. Là, mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. Je réponds encore. Ici, là, voici le direct qui est là. Là, cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Et vous allez partager dans tous les groupes que vous allez prendre le soin de voir. Aidez-moi à dire merci au peuple camerounais. Aidez-moi à dire merci au président Paul Biya, président du Cameroun. Aidez-moi à dire merci au président Samuel Eto'o. Permettez-moi de dire merci à ce grand peuple des Béti, des Douala, des Bamileke. Quels sont encore les ethnies que je ne connais pas? Je vous en prie, partagez la vidéo. Tous ceux qui partagent cette vidéo, je vous demande, faites les captures. Amenez-moi ça en inbox. Tous ceux qui vont partager dans 20 groupes, faites-moi les captures. Je mets au moins 300 000 francs à disposition. Laissons 300 000 francs. Je mets 1 million. 100 000 pour les 10 premières personnes qui vont partager dans 20 groupes. Je vous montre comment on partage. Vous m'amenez ça en inbox. Mettez d'abord les cœurs pour sécuriser le direct. Mettez-moi les cœurs pour sécuriser les directs. Mettez-moi les cœurs. On va maintenant parler. Il a été lancé une campagne. Opération désabonnement sur la page du général Camille Makosso. Cette campagne a été lancée dans le but de m'humilier, dans le but de me briser et dans le but de me casser. Premier bilan. Poto. On a fait des tutos, des petites vidéos pour montrer aux gens comment se désabonner de la page du général. Échec. Ils sont allés plus loin. Si on se désabonne, qu'on ne ferme pas sa page, on va maintenant signaler sa page pour que le monsieur ne puisse plus exister. Une semaine désabonnement. Une semaine signalement de la page. Bilan, Makosso est toujours là. Si Makosso n'est pas homme de Dieu, venez m'expliquer, malgré tout ce complot, comment se fait-il qu'il est encore présent, déterminé? Il a toujours la force, le punch. Et c'est lui que les gens abusent. J'ai dit, le taux d'abonnement est en train de dépasser moi les entendements. Partagez-moi la vidéo, j'ai envie de crier fort. Partagez-moi la vidéo, j'ai envie de parler fort. J'ai envie de parler fort. On appelle mes contacts, on appelle mes relations et on me dit, quittez derrière Makosso, sinon il va amener tout le peuple de Côte d'Ivoire à se rebeller contre vous. Le peuple de Côte d'Ivoire va vous abandonner. On dit ça des autorités. Et eux, ils me transfèrent les messages qu'on les envoie. Et les personnes qui les envoient les messages, je regarde les noms, je suis dépassé. Je suis moi-même horrifié. Des personnes qui sont dans le milieu artistique, des personnes qui sont dans le milieu religieux, que j'ai défendu bec et ongle, même des influenceurs, n'ont pas été capables de ne serait-ce prendre le téléphone pour dire général Yako. Des personnes, ils ont conseil. Je donne ma partie. Mettez les questions et signalez le direct. Ils sont tentés de signaler le direct. Les amis, mettez assez de cœur. J'apprends qu'on me dit que Lolo Botta a créé un groupe des commandos et que quand quelqu'un fait une vidéo contre moi, ils doivent aller signaler. C'est normal. C'est normal. J'ai validé ce groupe de commandos. C'est moi-même qui ai dit Lolo Botta, mets ça en place. Et j'ai amené des audios pour leur dire merci. Parce que dans les moments difficiles, il te faut une armée. Un général a besoin d'une armée. Nous, on n'est pas des haineux.
Mais si tu nous attaques, on se défend. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez la queue, écrivez Lolo Poté, que Dieu te bénisse. Ma petite soeur m'a pas trahi. Ma petite soeur aurait pu dire, j'ai ma page. Camille, ça là, ton problème là, faut pas ça me créer des problèmes. Tu m'as pas dit que tu partais au Cameroun. Camille, j'ai ton problème. Mais ma petite soeur Lolo Poté a monté ce qu'on appelle les liens du sang. Elle m'a pas trahi. Elle a risqué sa page pour moi. Mettez les cœurs pour Lolo Poté. Camerounais, allez vous abonner à sa page. C'est une femme qui est vraie. Mes abonnés, allez sur sa page. C'est vraiment, mais non, souvent elle raconte des bêtises. Lolo Poté raconte jamais des bêtises. Elle dit la vérité. Mettez assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Je veux voir assez de cœur, s'il vous plaît. Mettez-moi assez de cœur. Lolo Poté est une femme vraie. Qu'est-ce que je vais dire de Yaka Yaka? Toutes ces personnes ont des pages. Ils auraient pu dire, ah, Makoso, général, ton problème, c'est un problème d'État. C'est tout un pays qui s'élève contre toi. Pour la première fois dans l'histoire, après DJ Arafat, Camille Makoso fait clash avec toute une nation. On manipule toute une nation. On envoie sur des WhatsApp, dans des groupes WhatsApp, pour dire Makoso est un Judas. Désabonnez-vous de sa page. Je n'ai jamais vu. Dites-moi si vous avez une fois vu. Même Arafat DJ, on n'a jamais appelé à se désabonner. Je suis le premier à qui on dit désabonnez-vous. Mettez les cœurs, on signale le direct. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. On signale le direct. Mettez-moi les cœurs, on signale le direct. Mettez-moi assez de cœurs. Partagez la vidéo, regardez, ça se coupe. Le direct s'entrecoupe, ça veut dire qu'on le signale. Des gens vont signaler les directs en disant qu'ils parlent de terroristes. C'est méchant. Et c'est vous qui vous jouez les victimes. C'est vous qui venez pleurer. Vous jouez les enfants. S'il vous plaît, prenez vos responsabilités quand vous êtes méchants. Prenez vos responsabilités. Depuis quelle année a commencé? Vous m'avez une fois vu parler de quelqu'un? C'est moi toujours, on fait une vidéo pour dire, c'est la dernière fois que je parle de cet homme. Je ne parlerai plus de cet homme, plus jamais. Mais le lendemain, comme les gens ne sont pas allés à l'école et qu'ils sont nés maudits, ils viendront s'asseoir toujours pour parler de la légende. Parce que Camille Makoso, lorsqu'on parle de lui, je vois même des personnes qui étaient avec nous dans la Libias. La Ligue des blogueurs et influenceurs, ils sont quittés. Pourquoi? Parce que c'est quand ils insultent Makoso qu'ils ont des vues. Donc, ils constatent que quand Makoso n'est pas leur ennemi, ils n'ont pas de vues. Donc, on va se mettre dans une position de clash contre Camille Makoso. Mes amis, 2022, là, soyez prêts. J'ai une armée. 2022, soyez prêts. J'ai désormais derrière moi des lions qui ont faim. On les appelle les lions indomptables du Cameroun. Ils m'ont adopté comme leur fils. Beaucoup parmi eux ne m'aimaient pas. Mais ils ont vu mon humilité. Ils disent, on n'a jamais vu une telle humilité. Un homme qui prend le risque d'aller là où il a chié, là où on m'attend, on peut me frapper. Je suis allé humblement. Il dit, Makoso, on ne peut jamais te trahir. Hey, que Dieu bénisse le Cameroun. Vous pouvez désormais m'attaquer. Mais derrière le général, il y a l'éternel des armées. Derrière le général, il y a les lions indomptables. Ils vont vous dévorer. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez assez de cœurs, partagez la vidéo. Le direct est très attaqué. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez assez de cœurs. Le direct est attaqué. Aujourd'hui, le nouveau slogan n'est plus Makoso allé au Cameroun. Le nouveau slogan, c'est devenu quoi? Makoso est un faux pasteur. Le pasteur sans Bible. Le pasteur qui regarde le film de Jésus. Les rats. Vous ne trouvez pas que ce disque-là, il est vieux et il est rayé? Ça fait 5 ans, vous répétez les mêmes choses. C'est un faux pasteur. Ce pasteur, c'est un pasteur. Mes amis, vous n'êtes pas chrétien. Vous-même là, vous êtes des païens. Vous ne partez pas à l'église. Jésus ne vous connaît pas. C'est vous qui jugez pasteur. Comment des éboueurs peuvent juger le travail d'un médecin? Question. Réfléchissez. Comment des éboueurs, des gens, leur travail là, c'est de ramasser caca. Et ils se lèvent un matin et ils jugent le travail d'un médecin. Ils ne connaissent rien en médecine, c'est eux qui jugent. Adama, on peut être encore plus bête que ça. C'est-à-dire, sur le débat des réseaux sociaux, vous n'avez plus d'idée. Donc, désormais, la seule idée qu'on a, le seul championnat qu'on a, on va essayer d'attaquer Camille Makoso. Je le mets à cause de la lumière. On va essayer d'attaquer le général sur son affaire de pasteur. Parce qu'ils se disent,
Si on l'attaque là-bas, ses fidèles vont partir. Vous connaissez mes fidèles. J'ai perdu ma femme. Vous m'avez traité de criminel. Ces fidèles-là sont restés. J'ai dit bien, j'ai perdu ma femme. Vous avez fait toutes sortes de complots. Marco soit tué sa femme. Mes fidèles disent, nous connaissons cet homme. On ne peut jamais l'abandonner. Parce que chacun de ses fidèles, lorsqu'il était dans les moments les plus difficiles de sa vie, quand j'ai dit by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, un témoignage a localisé sa vie. J'ai dit quoi? Toi un pain, toi un pain, toi un enfant maudit. C'est-à-dire que tu es né, ton papa même qui t'a mis au monde dit je ne te reconnais pas. Il n'y a pas plus malédiction que ça. Une grossesse régnée. Emprunter le nom de quelqu'un d'autre, je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est une malédiction. Afi Aya Robert, je ne dis plus de nom. Makoso dit plus non. Donc, quand je m'assois et je vois ceux qui parlent de moi, on dit Makoso même loue appartement. C'est-à-dire Makoso qui dit qu'il est millionnaire. Ja, il loue appartement, c'est dans l'appartement là qu'il vit avec ses enfants. Ah bon? Donc, dans l'appartement, il y a piscine. Hein? Je ne sais pas ça. Merci pour l'information. Merci. Je ne savais pas ça. Que dans l'appartement, il y a piscine. Merci pour l'information. Ça va aller. Mais je vous dis une chose. Et ça, je donne l'information à tous ceux qui sont connectés maintenant. Pendant que vous êtes en train de me suivre, hey, quelqu'un me défaut, Makoso. Hey, Lolo, beauté d'amour. Lolo, beauté, que Dieu te bénisse. Tu as prouvé en soutenant ton frère. Tu as montré le bon exemple. Et vraiment, que Dieu bénisse. Écrivez-vous tous les Camerounais, écrivez, je t'aime à Tangana. Dans les moments les plus pitoyables de ma vie. Est-ce que vous savez ce que j'ai vécu? Je vois les gens qui pensent que c'est un game. Non. Tout un pays. C'est-à-dire, même les amis de tes enfants les amènent un message. On dit, votre papa est Judas. Votre papa trahit le pays. On va insulter ma fille dans ses comptes. On fait parler ma fille. Ma fille n'a rien dit. On dit, oh, elle dit que j'arrange au vert. On peut l'insulter. On ouvre une campagne officielle de désabonnement. On crée des groupes Instagram, des groupes WhatsApp, des groupes Facebook. Comment se désabonner du général? 7 jours plus tard, Camille Makoso est toujours vivant. Il y a toujours. L'homme qui lançait des directs, il était toujours à 2000, 3000. Maintenant, il allume sa caméra, c'est 10 000 personnes qui sont connectées. Vous, vous parlez de moi, vous n'atteignez plus 10 000 personnes. Même 6 000 personnes pour les atteindre, vous luttez, vous. Et vous pédalez, clicata, 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 calmez-vous les petits. Je suis venu aujourd'hui célébrer un peuple qu'on appelle le peuple du Cameroun. Demain, on aura un grand direct avec les Camerounais sur l'équipe nationale. Si on doit renvoyer l'entraîneur ou pas, je prends désormais les dossiers du Cameroun en tant que l'influenceur. Parce que vous savez, quand tu appartiens à un club, et puis le club ne veut pas de ta valeur. On te fait transfert. Donc actuellement, le général Camille Makoso, l'influenceur le plus redoutable de la Côte d'Ivoire, est en train d'être transféré dans l'équipe du Cameroun. Ah oui! Ah oui, 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 oui. Et tous les fonds d'entraide que je donnais aux Ivoiriens, la moitié désormais va au Cameroun. Ah oui! La semaine prochaine, je suis au Cameroun pour aller dire merci dans la tradition africaine au peuple camerounais. La semaine prochaine, je vais vous donner tous les détails. L'heure d'arrivée de mon avion. Comment on va organiser l'accueil du général à l'aéroport. Je viens au Cameroun embrasser la tête du Cameroun. Je viens faire bisous à la tête du Cameroun pour dire merci. Parce que là où on attendait ma mort, vous m'avez soutenu. Si les Camerounais n'avaient pas fait bloc autour de moi. Regardez ce que les pages camerounaises ont fait. Pendant qu'on disait désabonnez-vous, eux tous ont fait le relais. Allez vous abonner à la page du général. Parce que pour l'acte de paix qu'il a posé, les racistes, les xénophobes, ceux qui sont les plus racistes sur la toile, les blogueurs satanistes disent on doit se désabonner. En espace d'une semaine, j'ai eu 23 000 nouveaux abonnés camerounais, 14 000 nouveaux abonnés ivoiriens. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont lucides, qui ont ça dans les têtes. Mes amis, la seule personne que vous devez écouter sur les réseaux sociaux s'appelle le général Camille Makoso. Pourquoi? J'ai un mental. Regardez-moi ce que je viens de traverser. Si je n'avais pas ça, ce mental, j'étais un homme mort. Comment alors avoir ce mental? Tous ceux qui ont déjà obtenu le livre, veuillez me confirmer s'il vous plaît. J'ai dit bien, tous ceux qui ont déjà, et je précise, je ne suis pas en guerre
avec les Ivoiriens. Je suis en guerre avec les xénophobes, blogueurs, influenceurs, tapeurs de poteaux. Des gens que j'ai nourris, qui sont venus à s'asseoir ici. Ici. Ils étaient assis ici. Ils étaient assis ici. Ah, vraiment, général. C'est tout, tout ça, c'est pour toi. Ah, vraiment, général. Tu es fort, hein? Tu es puissant, hein? Vraiment. Bon, j'ai mon mariage. Vraiment, je suis venu te voir. Et vraiment, si tu peux m'aider, j'enlève 1 million et te donne. Tu ne reconnais pas, c'est normal, tu es un pain. C'est normal, tu es un pain. C'est normal, tu es un pain. Quand j'étais à ton appartement, petit, tu te rappelles de ce que ta maman a dit? Tes deux parents qui sont venus là, c'est la femme qui devait attraper ta mère à ton mariage. On était dans ton appartement, chez toi. Tu es maudit. On était dans ton appartement, chez toi. Ta tante est venue. Elle dit, Makoso est un véritable serviteur de Dieu. Toi, tu étais étonné. Tu dis, comment ça? Elle t'a dit, il est venu prêcher dans nous, notre église. Ce qu'on a vu là, on n'avait jamais vu ça. Elle a même sorti le nom d'une de tes soeurs pour des révélations qui est donnée sur elle. Et puis elle a été délivrée. Toi, tu as venu t'asseoir. Faut appeler tes parents. Si tu n'es pas né maudit, si tu n'es pas né maudit. Mais tu sais ce qui est bien? C'est qu'on va mettre Dieu au défi. On se donne 10 jours. Je mets Dieu au défi. 10 jours entre vous et moi. Je tape le sol et je lève ma main. Si moi, Dieu, dans le ventre de ma mère, m'avait déjà consacré à le servir, vous allez échapper à sa colère. Mais si moi, je suis un faux, je ne vais pas échapper à sa colère. Je mets Dieu entre vous et moi. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Si Marco était dans le fétichisme, afin on s'est gâté là, des fétiches allaient sortir pour parler. Si Marco était dans le sexe, accoucher avec les artistes, les filles à gauche, à droite, dans cette affaire qui est gâtée là, les filles allaient parler, même les camarades des filles allaient parler. Vous dites, moi je le connais, il couche avec ma soeur, il fait ceci. Ils allaient parler. Si Marco était un voleur, escroquait ses fidèles, dans cette affaire où tout le monde entier était déchaîné. Des fidèles allaient faire vidéo pour dire effectivement, je suis l'une des victimes du général. Et puis on allait faire l'identification des victimes du général. Zéro victime. Zéro papo. Même pas un seul papo. C'est audio pas te faire écouter. Audio. Audio que moi, il est envoyé. Et puis il assume ce qui a été dit. Parce que moi, il a fait vidéo puis il a dit que ce petit-là, ces gens-là, ils ont signé pacte avec Soro Kibafo et Dio. J'ai l'information. T'as venu parler quoi? T'as venu dire quoi de nouveau? C'est moi qui dis ça. J'ai dit ça ici, j'ai dit ça demain. Et j'ai transmis les données là à qui de droit? Et puis on les attend, qu'ils mettent le pied à Abidjan, on les répond de ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'il ne peut pas rentrer à Abidjan. Ça saute, ça tremble. Mais comme on n'a pas un cœur pour faire le mal, souvent les gens regardent, on dit, on laisse tomber. Mais cette fois-ci là, il faut que dans 10 jours, entre vous et moi, là, je convoque votre âme au séjour des morts et que le diable puisse vous dire bonjour parce que vous l'appartenez. Quelqu'un qui fait le bien, vous allez venir le dénigrer. Vous allez faire quoi pour le pays? Vous apportez quoi? Demain, je suis sur mes chantiers immobiliers. Demain, je suis sur mes chantiers immobiliers. Et puis, vous allez voir maison en construction de Marcos. Je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas ces influenceurs, blogueurs qui vont s'asseoir dans la maison des gens ou bien qui font... Non, je ne suis pas dedans. Je vous écoute, c'est la médiocrité. Bon, on va prendre un simple exemple. 1000 fidèles dans le monde payent une dîme à Général Camille Makoso de 100 euros. Ça fait 100 000 euros, dont 65 millions de francs CFA. Je suis ton ami. J'ai secrétaire en France, en Belgique, en Suisse, en Italie, aux États-Unis. J'ai secrétaire au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon. En Guinée, au Togo, au Bénin, où c'est encore? Au Congo. Toi, tu connais moi, mes fidèles. Et remontez une petite chose, vous fermez vos bouches, parce que vous ne connaissez pas qui est Makoso. Ici, là, on va prendre un simple exemple. Hein. Je retourne la caméra. Je vais remonter un simple exemple. Ici, là, je suis à 2000 messages. On est d'accord, non? Tout ça, là, c'est des personnes qui ont reçu le livre du général. Voici le livre du général que des gens ont reçu. Tout ça, ils ont reçu le livre du général. Les témoignages ne font que pleuvoir. Ça là, ce WhatsApp que vous voyez là, c'est le WhatsApp pour les livres. Ce WhatsApp que vous voyez là, attends,
Vous ne connaissez pas qui est Makoso. Il y a où monter une démonstration. On va retourner la caméra. Ici, là, on est à combien de messages? Je vais enlever la lumière. On est à 865 messages. Ici, c'est la prière. Ceux qui ont besoin de prière. Tout à l'heure, du fait que je viens d'ouvrir, d'autres messages vont commencer à venir. Ce n'est même pas le numéro de téléphone 0709, mon téléphone personnel. Actuellement, qui est dans la main de mon secrétaire, qui est en train de répondre à 2000 messages. 2000 messages, il est en train de répondre. Ça n'a rien à voir avec mon WhatsApp sur lequel je fais le direct, qui est mon WhatsApp de face. Vous ne connaissez pas mon fonctionnement. Vous êtes trop petit. Je vais vous donner encore une deuxième faiblesse. Les blogueurs ivoiriens qui m'attaquent là, les Camerounais ne vous suivent pas. Les Gabonais ne vous suivent pas. Les Antillais ne vous suivent pas. Ceux qui vivent aux airs, ils ne vous connaissent pas. Celui qui connaissent, c'est le général Kamerounais. Je suis votre numéro 10. C'est votre 10 que vous voulez humilier. Votre papa. Je vois des gens qui sont là. Nous, il y a longtemps, on faisait Facebook. Maintenant, aux petits artistes VDA, les artistes de quartier, là, buvaient des belets. Vous savez, vous avez commis une erreur. Je vous dis pourquoi. VDA, partagez la vidéo, il y a parlé à VDA. Partagez la vidéo, il y a parlé à VDA. VDA, il y a vous parlé. Vous avez commis la pire des erreurs de vous élever contre le seul influenceur qui soutient les artistes dans leur concert, qui paye les enregistrements. C'est-à-dire, vous pouvez insulter et attaquer tout le monde, pas Makoso. Non, les Burkinabés, je vais vous rappeler l'histoire. On avait un artiste Burkinabé qui venait en Côte d'Ivoire. Quelqu'un dit quoi? Tu as maigri, Judas, tu as quoi? C'est ta... Quand tu me regardes, il y a quelqu'un qui est maigri. Quand tu regardes mon visage, il y a quelqu'un qui est maigri. C'est vous toujours qui êtes dans les hallucinations. Quand cette affaire a commencé, j'ai pris mes médicaments pour dormir. Ça s'appelle Nuravit quelque chose. J'ai bien dormi. C'est dans ton imagination là, que Mako soit maigri. Judas, petit, il faut m'appeler Satan même si tu veux. Je suis plus riche que ton papa. Je suis plus riche que ta maman. C'est ça qui l'avait invité. Il y a un artiste burkinabé qui est venu en Côte d'Ivoire. Écrivez mon général, je t'aime, j'ai cassé les papos. Écrivez mon général, je t'aime, je vais casser les papos, s'il vous plaît. Il y a un artiste burkinabé qui est venu en Côte d'Ivoire. J'oublie son nom, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. J'oublie le nom de l'artiste burkinabé là. Il s'appelle comment? Rappelez-moi le nom de l'artiste burkinabé là. Les burkinabés n'ont jamais fait concert au palais de la culture. Il y a un artiste burkinabé que Yodé Siro venait à asseoir vous parler, les petits. Il venait. Et on m'appelle, on me dit, ah général, comme les Burkinabés te suivent beaucoup, les tickets ne sortent pas. J'ai fait une vidéo, une seule vidéo, où j'ai menacé le peuple burkinabé pour dire, quand les Maliens viennent en Côte d'Ivoire, celui qui t'abattait là, il bêtait. Si vous, les Burkinabés, vous avez tapé poteau au palais de la culture, vous êtes morts dans nos bouches. Faut voir sursaut d'orgueil de Burkinabé. Ils ont bé là. C'est quand l'artiste m'envoie un message. Ouais, Sidiki Diabaté, c'est mon fils. Vous des plaisantins qu'on voit deux balles. C'est vous qui allez vous jouer des stars mondiales. Bam, même pour raser, vous savez pas comment rase. Vous allez vous lever contre quelqu'un quand on sait tape poteau, c'est Marco son appel. Allez demander à Kérosène nos liens. Allez demander à Safarel au bien nos liens. Allez demander à VP, à comment votre VP Mola, nos liens. Allez demander à Yodé Siro, nos liens. Allez vous renseigner. Vous avez commis une erreur. Il y a des gars qui sont avec vous qui ne vont pas vous répondre maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que les gens sont trop chauds, ils vont attendre. Mais c'est quand vous aurez besoin d'eux qui vont vous dire, notre père spirituel, qu'on ne révèle jamais là, c'est Camille Makoso. Fallait pas t'attaquer à lui. Fallait pas le faire. Il y a des artistes, quand c'est chaud, il doit faire clip, ça va pas. Vieux père Makoso, on a besoin de quelque chose. Les gars, passez, voici 1 million. Prenez pas, t'es travailler. C'est l'homme comme ça, vous allez faire musique pour vous humilier. En regardant zier des petits blogueurs qui vous ont appelé pour dire, on va le détruire. Chantez, non, finance. Non, financez le clip. Et vous êtes en retard. Vous avez oublié une chose. Artiste là, c'est saison. Il y a une saison de, comment il s'appelle, oh, l'artiste qui joue ballon là. Qui parle, j'oublie un peu son nom. Il y a même mon fils, Yobi Yobi. Consti. Celui qui a chanté. Glissement. C'est mon fils. Il a eu son temps. Et son temps est passé. Oh Dieu l'a béni. Il est dans ses affaires. La musique, c'est des saisons.
Aujourd'hui, là, on parle de vous. Mais pour combien de temps? Vous, les artistes, n'avez pas investi. Artistes, c'est investi. Artistes, c'est investi. Qu'ils ont fini, d'autres ont fini de tirer, bon, pas tous les artistes. Quand d'autres ont fini de tirer, bon, là, la seule chose qui l'intéresse, c'est cuir de filles. Vous avez fini de mougou, là. Quand jeton va finir, vous allez faire sortir son. Quand son va taper poteau, c'est là que vous allez traverser ce qu'on appelle la vallée de l'homme de la mort. Et c'est là que vous allez savoir que dans ces genres de périodes, c'est là qu'on a des vieux pères qu'on peut appeler. On dit, ah mon vieux, c'est un peu chaud. Ou bien on a un concert, voilà ce qu'on peut faire. Champion, l'histoire là, c'est pas aujourd'hui. La vie là, c'est demain. Moi ici, pasteur. Quand j'ai dit Baraka Kunkinde Bre Senta la Kondo Boyondi Kinde Bras Londaye Kende Bre Kende Le Santo Kinde Bos, il y a quelqu'un automatiquement qui va dire je sens la présence de Dieu. Il y a une femme qui va dire j'ai mal ici. Il dit impose ta main, regarde maintenant, retire, le mal est parti, papa, je viens d'être guéri. Un seul miracle peut changer moi ma vie. Tant que l'onction est avec moi, tant que je prie que des gens sont guéris, j'aurai toujours des fidèles. Et tant qu'il y aura des personnes qui auront des problèmes, tant qu'il y aura des personnes qui auront des difficultés, VDA, Makoso existera toujours. Tu sais pourquoi? Parce que je connais Dieu. Il n'est pas celui qui juge selon l'apparence, mais il juge selon la profondeur du cœur. Mais vous, vous êtes musicien. Une musique peut prendre comme un jour, ça peut taper poteau. Et puis l'ancienne musique, quand tu m'as dit, oh, ça s'est passé à quoi même? Il n'y a pas un nouveau son. Un petit groupe peut venir, puis vous dépasse. Et puis vous ne comprenez plus rien. Votre carrière tourne rond. Regardez plusieurs artistes Zouglou qui sont finis. Finis. Parce qu'ils ont osé s'attaquer à des hommes de Dieu. Parce qu'ils ont osé chanter contre des hommes de Dieu. Je peux être mauvais. Je peux être méchant. Mais la Bible dit, tu ne jugeras jamais mon serviteur. Ça fait deux fois. Vous faites chanson pour humilier Makoso. Il dit, les gars, il vous regarde. Si moi, mon Dieu est vivant. Si moi, mon Dieu m'a retiré des braquages d'Aboboga, du gang qu'on a fait Flashboy, donc voici l'insigne dans lequel il m'a retiré. Si vous, votre carrière a connu un succès après cette année 2022, après votre son, c'est que Makoso, je ne suis pas homme de Dieu. Je vous dis ça aujourd'hui. Parce qu'il y a un moment donné, il faut que vous mettez vis-à-vis de vos responsabilités devant Dieu. Donc dites à vos pasteurs de prier pour vous. Et entre l'onction de vos pasteurs et mon onction, on va voir. Il y a deux devant le monde entier. Si je suis serviteur de Dieu, l'acte de blasphème que vous avez eu à faire, que Dieu mette fin à votre carrière, qui va fermer. C'est-à-dire, vous allez passer inaperçu. Je vous dis 2022. Actuellement, si vous êtes malin, je vous donne un conseil de marmaille. Annoncez un conseil à Abidjan. La seule marmaille qu'on peut faire, c'est d'annoncer maintenant un conseil. Et puis vous surfez sur la vague, vous commencez à parler, on a notre conseil, et puis les gens vont venir. Après ce conseil-là, votre carrière, c'est fini. C'est Makoso qui vous dit ça. Parce que vous n'êtes pas intelligent. Quand vous regardez vos vieux pères, les Yodé Sio, là, assez-vous pour les regarder. Quand vous regardez vos vieux pères qui ont chanté, il y a des bons pasteurs et des bons pasteurs. Ils ont fait combien d'années de galères avant de ressurgir? Espoir 2000. Combien d'années? Qu'ils sont revenus là? Ils ont chanté maintenant à la gloire de Dieu. Nous, Seigneur, nous te glorifions. Parce qu'ils ont compris ce qu'il y a d'en faire d'insulter pasteur. Je demande à tous mes abonnés, même si un pasteur vient de tuer quelqu'un, ne l'insultez jamais. Vous savez pourquoi? Vous ne connaissez pas l'alliance qu'il y a entre un serviteur de Dieu et son Dieu. Il peut tomber. La Bible dit, mon serviteur tombera sept fois. Mais sept fois, je le relèverai. Mais ne touchez pas à mes oins. C'est biblique. Appelez mon papa, l'archevêque Kouja, pour lui dire ça. Il va vous enseigner qu'il y a des erreurs qu'on ne commet pas. Mettez-moi les cœurs. Bon, les petits artistes de quartier, c'était mon petit conseil. Mais vous n'êtes pas connu. On ne vous connaît pas. Vous n'êtes pas palmarès. Vous êtes orgueilleux pour rien. Vous savez, quand on parle des artistes en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas dedans encore. Vous êtes trop petit. Vous avez des artistes en Côte d'Ivoire, c'est les kérosène. C'est eux là qui lèvent le drapeau. VDA. Un virus démoniaco abidjanais. N'importe quoi. Bon, revenons maintenant à mes petits maintenant bloqueurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Hier, revenez à mes petits. Mais attendez. Mettez les cœurs. J'aimerais vous informer à tous. Les 10 000 premières personnes, écrivez mon général, je t'aime. Oh, vous tous qui mettez les mauvais commentaires, vous connaissez après le film, on vous bloque. On vous dit de vous désabonner, mais vous êtes quand même abonné. Adam Malolo, on peut avec quelqu'un comme ça.
On dit désabonnez-vous. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, ma famille. On dit désabonnez-vous, vous me venez commenter. Qui m'appelle là? C'est qui m'appelle? Oui, allô? Allô? C'est qui? C'est une de mes femmes. C'est ta photo qui est sur. C'est ta photo qui est sur ton WhatsApp là. Ah, ta nièce, elle est jolie, hein. C'est-à-dire, moi-même, quand je regarde ta nièce même, j'ai l'impression que quand Dieu l'a créée, elle était de bonne humeur. Envoie-moi un message vocal, je suis en plein direct actuellement. Je rappelle, mettez les cœurs, partagez la vidéo. On était tout à l'heure à 10 000 personnes. Quelqu'un dit, Marco Sochou, au Cameroun, nous allons te suivre jusqu'au ciel. Vive le Cameroun! Cameroun, oh yeah! Cameroun, oh yeah! Cameroun, oh yeah! Cameroun, oh yeah! Que Dieu bénisse le Cameroun. Écrivez Makoso, je t'aime. Écrivez Makoso, je t'aime. Numéro 10 de toute sa génération et PIB de Oro. Ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi. C'est moi que mes frères ont voulu me vendre et ils ont tapé poteau. Le berge est où? Le berge est mort. Je vous ai dit, je les maîtrise. C'était pas un jus. Je vous n'ai pas compris. Quand Marmailleur parle, asseyez-vous et puis demandez Makoso, tu veux dire quoi? Quand il dit, c'est des bipolaires, c'est de qui tu parlais? C'est pas des Ivoiriens, je parlais. Je parlais des gens de Facebook, c'est les bipolaires. Le buzz du 3 jours. Vous avez oublié ça, la règle du buzz. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens commençaient à m'attacher, j'ai pris médicaments. Je crois que c'est Nuratine, mais quelque chose. Quand j'ai bu ça, il n'y a plus deux cuillères. Oh, on attaque mon direct. Là, le téléphone rame. Je rappelle mon WhatsApp. 00225-01-50-50-50-22. Envoyez-moi un message maintenant. Dites mon général, je veux mon livre. Dites mon général, je veux mon cadeau. Toi qui n'as jamais connu le général. Toi, parce que mon livre là, il va vous montrer quelque chose. Celui qui n'envoie pas le message, il est maudit. Hein. T'as dit, c'est un diable. Lui-même, c'est le sorcier de sa famille. Celui qui ne va pas m'emmener le message sur mon WhatsApp. 002. Écrivez le WhatsApp. Regardez ici. Voici tous les thèmes. Une enfance, mon enfance. Ma rencontre avec le Seigneur. L'onction et le baptême de feu. Mes débuts dans le ministère. Début de fausse gloire. De l'enfer au paradis. Les rencontres et événements. Ce chapitre-là. Ça là. La stratégie et la manière. Voici la marmaille. C'est un temps prophétique. La communication, l'âme redoutable. Ici, on y va. La guerre des générations. Opération tuons-le. J'ai déjà vécu. C'est-à-dire, ce qu'on voulait me faire vivre là, moi, j'ai déjà vécu ça. La prison sur le chemin de la réussite. J'ai fait deux fois la prison. Comment vaincre l'adversité et remonter la pente? Vous attaquez à quelqu'un qui lui-même maîtrise le game. Trois façons de s'attaquer aux difficultés. Un mental de fer. Makoso, comment tu fais? Et puis tu résistes. Tout ce qu'on fait là, j'ai mis ça dans mon livre, le mental de fer. Qui es-tu et quel est ton nom? Le langage de la réussite. Quelques stratégies de foi pour posséder l'argent. Ce livre là, si vous ne l'avez pas, vous êtes maudit. Donc Makoso Dondi, c'est un faux pasteur là, c'est un écrivain. Voici mon livre. Tout ça, c'est Makoso qui l'a écrit. Le livre fait exactement combien? 236 pages. Je vous l'offre gratuitement. Je vous l'offre gratuitement. Comment faire pour avoir ce livre? Le blanc dit, si tu veux cacher une vérité à un nègre, il faut le mettre dans un livre parce qu'il n'aime pas lire. Voici mon WhatsApp. Je n'ai pas demandé de m'appeler. J'ai dit, envoyez-moi un message. Que tu sois Camerounais, Ivoirien, mais ceux qui sont en France, si vous m'écrivez sur ce WhatsApp, vous allez recevoir deux cadeaux. Le premier cadeau, c'est le livre. Et le deuxième cadeau, c'est le parfum que les Juifs utilisent pour avoir de l'argent. Je vais vous le remettre gratuitement. Et il est même ici. Comme Makoso, il vend huile, il vend truc. Vous connaissez Makoso. Il a augmenté des choses. C'est pas tout, on montre aux enfants aussi. C'est pas tout, on montre. Ça là, ce petit parfum que vous voyez là. Ça. Quand tu as un homme dans ta vie qui ne t'aime pas, qui ne t'aime plus et qui sort pour coucher avec d'autres femmes, tu utilises ce parfum.
tu mets ça sur toi, dors auprès de lui. Les Juifs, quand vous regardez l'histoire de la reine Esther, la Bible dit, le roi ne voulait plus la voir. Elle a pris 3 jours de jeûne. La Bible déclare qu'elle a porté ses habits royaux. On dit, Marcos, on ne connaît pas la Bible, mais elle vous enseigne. Elle a porté ses vêtements royaux. Elle a utilisé le parfum. Lorsqu'elle a eu devant le roi dit, même si tu me demandes la moitié de mon royaume, je te donne. Esther, chapitre 3, à connaître pas, à demander. Donc cet élément-là, il est réservé à tous ceux qui vivent en France, en Belgique. Quand vous êtes dans le domaine de l'argent, vous faites les affaires. C'est un élément que vous utilisez ici, sur la paume-là. Et vous y allez pour traiter vos affaires. Quand vous avez une procédure de papier, vous êtes par exemple sans papier, vous prenez la photocopie de votre passeport et vous mettez ça là-dessus. Vous mettez dans de l'eau et vous vous rincez. Il n'est pas possible que tu échoues. Bon, si ce que j'utilise n'est pas bon, ou bien si ce que je dis est faux, expliquez aux Ivoiriens comment se fait-il que Makoso Kami, par jour, fait souvent des chiffres d'affaires de 3 millions. Parce que les gens parlent. Mais si c'est l'argent, c'est-à-dire tous les Ivoiriens connaissent. C'est des gens qui vivent en Europe qui vont faire vidéo pour parler de Makoso. Qui vient en Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens. Mais si on n'est pas maudit, on ne peut pas avoir ce comportement-là. Donc je dis, tous ceux qui vivent au niveau de l'Europe, vous m'écrivez sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Vous dites, mon général, je veux mon cadeau. Mais si vous êtes en France, en Belgique, pour avoir d'abord le livre, vous m'écrivez. Et vous allez écrire sur un deuxième WhatsApp. Le deuxième WhatsApp, c'est le WhatsApp de moi, ma secrétaire. Je rappelle, le WhatsApp là, pour avoir le livre là, ce livre là, gratuitement. Si vous finissez de, qui sont ceux qui ont déjà lu le livre? Ceux qui ont lu le livre là, je vous demande pardon. Mettez les commentaires, écrivez s'il vous plaît. Quand vous avez lu le livre, qu'est-ce que vous avez retenu? Le livre est puissant ou le livre n'est pas puissant? C'est pas un débat. Je vous donne des informations. Le premier ministre, Ambak, a lu mon livre. Voici ce qu'il a taché. Je l'ai amené, dit, papa, lis le livre pour mieux me connaître. Il dit, il y a des choses sur toi que les gens ne comprendront jamais. Ahmed Bakayoko m'a aimé tel que j'étais. Il dit, il y a des choses que les gens ne comprendront pas. Parce que tu en avances sur eux dans beaucoup de choses, dans tes réflexions. Ce livre-là, pourquoi je l'offre gratuitement? Parce que quiconque va recevoir ce livre, va le lire et va le partager à tous ses contacts WhatsApp. Il est obligé de rendre un témoignage de réussite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement m'écrire sur le WhatsApp. Et le voici, le téléphone, il est là. Je n'ai pas demandé de m'appeler. Ne m'appelez pas. Envoyez simplement un message. Donc, quand vous appelez, c'est la preuve que vous n'êtes pas intelligent. Ne m'appelez pas. Écrivez un message. Mon général, je veux mon cadeau. Maintenant, ceux qui sont en France, voici le premier élément. Donc, si vous êtes en France, en Belgique, en Suisse, en Hollande, en Espagne, au Luxembourg, en Angleterre, qu'est-ce que vous faites? Écoutez-moi maintenant très bien. Vous allez prendre le numéro de ma secrétaire de la France. C'est un numéro WhatsApp que je vais vous donner maintenant. Je répète, vous allez prendre le numéro de ma secrétaire de la France. C'est un numéro WhatsApp que je vais vous donner maintenant. Voici des gens qui appellent pendant que je n'ai pas demandé d'appeler. Oui, allô? 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 Je n'ai pas demandé de m'appeler. J'ai dit, envoyez-moi simplement un message disant, général, je veux mon livre. S'il vous plaît, faites ce que j'ai dit. Je suis en plein direct. C'est très important. Les gens ont commencé à écrire. Je vais voir si les messages arrivent. Tu es en Côte d'Ivoire. Tu es au Burkina. Tu es au Togo. Tu es aux États-Unis. Tu es en Norvège. Il faut m'envoyer un message. Mon général, je veux mon cadeau. Mon WhatsApp est le 00225. Écrivez-moi le numéro WhatsApp, s'il vous plaît, pour qu'on puisse l'épingler. 00225 01 50 50 50 22. Je réponds. 00225 01 50 50 50 22. Les 10 000 premières personnes qui vont m'écrire sur ce WhatsApp pour dire, mon général, je veux mon cadeau, je me mets à genoux devant Dieu et je prophétise.
by fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Qu'avant la fin de ce mois, que tu sois musulman ou chrétien, que tu sois au Mali, en Guinée, au Sénégal, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, que tu sois au Congo, où que tu sois, qu'avant la fin de ce mois, un miracle retentisse dans ta vie. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je veux que vous partagez la vidéo. Donc, quelqu'un dit, nous qui sommes en Centrafrique, mais maman, Awa Tadoa, tu es en Centrafrique, non? Écris-moi sur mon WhatsApp. Écrivez sur mon WhatsApp. N'appelez pas, écrivez. C'est le 00225. Je vous en supplie, prenez le numéro. Pardonnez, j'ai tout mon temps. Prenez le numéro. On dit, mon général, redonne le numéro, s'il te plaît. Je le donne maintenant. Le WhatsApp est même épinglé. Oh, s'il te plaît. Qui a épinglé le numéro puis qui a désépinglé là? Épinglez le numéro. Laissez le numéro épinglé, s'il vous plaît. Voici le numéro qui est épinglé. 00225-01-50-50-50-22. Ça là. Faut prendre big, tu vas écrire. 00225-01-50-50-50-22. Tu écris en disant, mon général, tu dis bien, mon général, je veux mon cadeau. Je vais t'amener ce livre-là gratuitement. L'Éternel va changer ta vie. J'enseigne dans ce livre les stratégies même pour avoir mari. C'est-à-dire, quand un homme ne veut pas de toi, comment le séduire? Regardez Esther. Esther n'était pas appelée à faire concours de Miss pour marier le roi. La Bible dit, la loi, elle était faite pour les filles du royaume. Marco, je ne connais pas la Bible, mais elle fait une démonstration. Vos petits prédicateurs, là, c'est des enfants. La Bible dit, la loi disait que Esther ne pouvait pas compétir parce qu'elle était esclave. Donc, elle n'appartenait pas au royaume. Elle était esclave. La Bible dit, règle numéro 1, Esther a changé de nom. Esther s'appelait en vrai Hadassa. Mais la Bible dit, à partir de Esther chapitre 2, Esther changea de nom et se fit appeler. Elle s'est fait appeler Esther. Or, son nom était Hadassa. Esther est rentrée dans le réseau en cachant sa véritable identité. Dans la stratégie du mariage, souvent tu rencontres un homme en Europe. À combien d'enfants tu as? J'ai 5 enfants en Afrique. Tanti, avec tes longs seins, on peut être bête comme ça. Dans l'art de la marmaille, ce n'est pas tout on dit. Il faut lui dire que tu as un enfant. Que les 4 autres enfants, là, Tanti, il faut lui dire, ce sont tes neveux. Ta grande soeur est décédée, elle t'a laissé les enfants. Ce n'est pas un mensonge, on appelle ça la manière. Et je peux te le démontrer dans la Bible. Le premier mamayeur de la Bible s'appelle Abraham. Lorsqu'il est rentré en Égypte, il dit sa femme n'est pas sa femme, c'était sa soeur. C'est pour ça que le mot escroquerie n'existe pas dans la Bible. Parce que la Bible déclare, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, pas à la banque. C'est pour ça que lorsque tu es en Europe, arrange-toi à prendre beaucoup d'argent pour investir en Afrique. Parce que l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Il y a des niveaux d'enseignement, on ne le donne pas aux chiens. Raison pour laquelle j'ai créé mon réseau des futurs milliardaires. C'est là-bas que je donne ces gens d'enseignement. Pour rentrer dans le réseau, là, le même numéro, là, il a un numéro de Telegram. Tu dis, mon général, je veux rentrer dans le réseau. 00225. Celui qui épingle les numéros, il n'est qu'à faire attention. Il y a trop de numéros qu'on épingle, on dépingle, on épingle, on dépingle. Je n'aime pas ça. Le seul numéro, c'est le 00225. C'est un numéro WhatsApp, c'est un numéro Telegram. Si tu veux le livre, tu écris sur WhatsApp. Si tu veux rentrer dans mon réseau, tu écris sur Telegram. 00225-01-50-50-50-22. Maintenant, ceux qui sont en France, qui veulent cet élément, ça là, pour les femmes qui ne font pas enfant, tu mets ça sur ton nombril quand tu dois avoir des rapports avec ton mari. Je ne suis pas 1, 2, 3, 4. En 2021, nous sommes exactement à près de 6300 témoignages des personnes qui ont reçu l'activateur, cet activateur que je vous montre. Quand vous avez des enfants qui ne sont pas intelligents à l'école, quand vous avez des enfants qui veulent réussir dans le domaine du sport, ça là, c'est ce qu'ils doivent avoir. C'est un parfum. Ces deux éléments m'ont coûté plus de 35 000 euros. Je vais les remettre gratuitement à 1500 personnes le vendredi 25 mars. J'annonce ça en début février pour que ceux qui sont aux États-Unis, qui veulent rencontrer le général en vrai, qui veulent voir ce qu'on appelle la démonstration de puissance, puissent commencer à préparer le billet d'avion. Ceux qui sont au Canada, ceux qui sont au niveau de la Norvège, de l'Autriche, de la Suède, vous descendez sur Paris le vendredi 25 mars.
nous serons la plus grande nuit. Je viens avec le voyant. Je viens avec l'évangéliste Jonathan. Je viens avec des hommes de Dieu d'un charisme de puissance. Et nous allons nous retrouver à une seule adresse. 14, rue de la Pointe, Noisy-le-Sec. Je vais remettre ça gratuitement aux 1500 premières personnes qui vont amener un message à ma secrétaire de la France. Donc, si vous êtes au niveau de la Belgique, de la Suisse, de l'Angleterre, de la France, de Paris, vous prenez votre téléphone et vous enregistrez le numéro de la secrétaire de la France. Elle s'appelle Louise Dureux. Ce n'est pas ma première ni ma deuxième convention. C'est ma 17e convention en France. De 2016 à maintenant, j'ai organisé 17 programmes en France. 2000, 1500 personnes, 2000, 1500 personnes. Jamais poteau. Blanc qui ne marche pas se lève et marche. Ceux qui parlent là, ils savent de quoi ils parlent. C'est-à-dire, ils savent pourquoi ils ont peur. Et je vais leur confirmer le code, le verset à Paris, que Marco Sola, il y a Dieu dans son affaire. Mais je ne commence pas par Paris, je commence par Abidjan. Moi et la population d'Abidjan, nous avons une rencontre de fer à la fin du mois sur le terrain de Gonzagueville, avec 3000 dons qui seront offerts aux populations. C'est Camille Makoso qui fait le son. Mais vous qui êtes au niveau de la France, si vous n'amenez pas le message à la secrétaire, ces deux éléments sont des éléments qui enlèvent sur vos vies l'envoûtement de l'esprit de mort, de l'esprit d'échec, de l'esprit de célibat. Ce sont des éléments concrets. Makoso, on peut tout me reprocher. Mais personne ne peut venir dire que Makoso est pauvre. La preuve. Voici mon équipement pour faire mes directs. Voilà, voilà mon équipement. Quand Makoso dit faire direct, hein, voici mon équipement. Voilà ça. Voici mes caméras. Venez encore. Ça là, c'est un ordinateur. Venez. Mais les gens, ils parlent, ils ne savent pas. Quand vous regardez ici, là, pour ceux qui se connaissent en matière de télé, tout ça là, c'est mes équipements. Tout ça. Tout ça. Ici, regardez bien. Tout ça, ce sont des caméras. Tout ça, ce sont des caméras. Voilà encore d'autres caméras ici. Allons. Là-bas, on a vu deux, non? 3, 4. Ici, 5, 6. Et toutes mes caméras sont reliées à Wi-Fi. Je ne suis pas votre ami. Tous ces équipements que vous avez, une seule caméra, c'est autour de 1 500 000 francs. Avec l'équipement Wi-Fi. Une seule caméra autour de 1 500 000. On me dit, Général Camille Makoso, tu dis tu as l'argent, tu roules dans une vieille Range Rover. Moi là, je ne suis pas riche pour moi. Je suis riche pour mes enfants. Tout l'argent que je gagne. Regardez bien ce truc, ce t-shirt là. Ça fait plus de 5 ans que je l'ai. Je suis un responsable. Je me travaille, je me prive de beaucoup de choses pour investir dans la vie de mes enfants. Pour que le jour où je ne suis pas là, mes enfants puissent vivre une vie sans aucun souci. On appelle ça être irresponsable. Donc, je redonne le numéro de téléphone de la secrétaire de la France. Celui qui ce soir ne lui envoie pas le message. Que tu sois en Suisse, que tu sois en Belgique, ma soeur, je te demande pardon. Ce que les gens disent là, il faut te poser la question. Ça fait 5 ans, on dit les mêmes choses sur Makoso. Mais pourquoi il est toujours là? Pourquoi Makoso ne tombe pas? Makoso a fait parler. Tout un pays l'a insulté. Mais comment se fait-il qu'il tient encore? C'est que dans son histoire, il a tué dedans. Ce n'est pas un débat. On m'a crucifié. Je suis encore vivant. Ce n'est plus un débat. Je vous demande pardon. 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 Si vous êtes en France, même vous qui avez déjà participé à la convention, envoyez un message à la secrétaire Louise. Parce que le monde qui est en train de se déplacer, si vous ratez cette opportunité, vous aurez tout raté. Donc, si vous venez avec vos enfants, parce que même les enfants auront droit à avoir leur activateur. Donc, si vous avez 2 ou 3 enfants, vous précisez à la secrétaire que vous venez avec 2 ou 3 personnes. Donc, son numéro de téléphone, c'est le 00337. Le numéro WhatsApp pour moi, avoir le livre, son cadeau là, c'est le 00225 01 50 50 50 22. Si vous êtes en France, en Belgique, pour avoir ces deux éléments gratuitement, pour rentrer dans votre dimension financière, le mariage et le déblocage de vos papiers, le déblocage de vos vies, vous devez contacter la secrétaire. Elle s'appelle Louise Dreux. Elle est camerounaise. Voici un signe de Dieu. J'ai eu des secrétaires ivoiriens qui ont voulu détruire le ministère.
j'ai eu des secrétaires ivoiriens. Depuis que Dieu m'a donné une secrétaire camerounaise, ça fait maintenant près de 3 ans qu'elle a mon service. Même quand j'ai perdu ma femme, elle ne m'a jamais trahi. C'est elle qui a fait toutes les opérations pour m'acheter la maison de la France. Toutes les courses. Je crois que c'était 275 000 euros. Aujourd'hui, j'entends des gens qui parlent. Moi, je dois venir me justifier devant eux. Oh, Marcoso, dis ton relevé de compte bancaire. Petit, tu es trop gamin. Réfléchissez, grandissez. Grandissez. Je rappelle le numéro de la France, son WhatsApp. Si vous ne l'appelez pas ce soir, si vous ne lui envoyez pas un message ce soir, vous êtes grillé. Il n'y a que 1500. Oh, notre dernier programme, on était 1300. Voici son WhatsApp, 00337. 00337 60 15 07 50. Lise-le. Quand tu mets le numéro, faut que tu mettes 00337 60 15 07 50. Voici son WhatsApp. Vous l'écrivez et vous lui dites, je veux participer à la convention du général. On reconnaît un maçon au pied du mur. Je vais prendre quelques appels. Allô? Allô? Oui? Oui? Mais je suis en plein direct de laisser mon direct pour te décrocher pour causer avec toi quand même. Toi, sois sérieux? Je suis en plein direct en train de parler, tu m'appelles. Donc, je viens de couper mon direct. Maintenant, je t'écoute. Tu m'as appelé là. Quels sont les mecs? Donc, j'ai arrêté. Il y a 5000 personnes qui me suivent. Je abandonne les 5000 personnes pour une personne. Est-ce qu'on peut faire ça toi-même? Faut voir. Adama. Hein? Voilà. Donc, envoie-moi un message pour dire, mon général, je veux mon livre. Je t'envoie ça rapidement. Voilà. Je vais prendre quelques appels des personnes qui veulent me poser des questions. Et je vais répondre aux questions franchement. Allô? 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 Madame, écoutez le téléphone. Écoutez le téléphone. N'écoutez pas le Facebook Live. Allô? Allô? Bonsoir, mon général. Bonsoir, maman. Comment vas-tu? Oui, ça va bien. Ok, c'est pour une question. Mais madame, je n'ai pas dit d'appeler pour dire je veux mon cadeau. J'ai dit envoyez-moi un message. Mais oui, je t'ai envoyé un message. Donc, faut te calmer, tu vas recevoir le cadeau. Maintenant, est-ce que tu as mené le message à la secrétaire de la France pour obtenir tes 2 huiles? Bon, non. Tu as pris son numéro? Oui, j'ai pris son numéro. Voilà, il faut l'appeler pour lui dire que tu veux participer à la convention. Toi, tu vis dans quelle ville? Bon, moi, je suis à Paris. Mais c'est que toi, ça tombe bien. Parce que ça aura lieu à Noisy-le-Sec. Donc, c'est pas loin. Que Dieu te bénisse. D'accord. Moi, j'arrive à Paris en début septembre. En plus, en début mars. Donc, tout le mois de mars, je serai à Paris jusqu'à ce que le programme puisse se faire. Je vais prendre un autre appel depuis le Burkina Faso. Je vais répondre à des questions claires et nettes. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur le général. C'est pour une question? Oui, c'est une question. Je vous écoute. Est-ce que c'est une question obligatoire? Est-ce qu'il peut avoir le livre? Oui. Écrivez-moi simplement sur mon WhatsApp, qui est le 00225-01 50-50-50-22. Dis, mon général, je veux mon livre. Tous ceux qui sont en Afrique, tous ceux qui sont dans le monde entier, si vous m'écrivez sur le WhatsApp, je vous envoie ça directement. Clairement et directement. Je vois des gens qui viennent faire les commentaires. Telle personne t'a déconstruit. Telle personne. Déconstruction, là. L'argent que ça lui a donné, là, allez lui demander ça lui a donné combien. Vous allez me mettre au niveau des gens qui n'ont pas de vie. Il t'a déconstruit. Déconstruction même étonné. Il m'a déconstruit de celui-là. 2000 personnes connectées. On n'est pas camarades, les gars. On n'est pas amis. Allez lui dire qu'on n'est pas amis. Il est fini avec eux. J'ai maté la rébellion. J'ai réconcilié les Ivoiriens et les Camerounais. Le débat, il est clos. Qu'est-ce qu'il peut venir faire? Tu es un faux pasteur. On va lire la Bible. La Bible dit, si tu as donné, donc devenez pasteur. Moi, j'ai plus ce temps-là. Maintenant, là, j'ai mon peuple que je dois former dans les stratégies de réussite. Et ça commence ce matin. Je vais donner le troisième code pour réussir en 2022. Mais parler de quoi? Je prends un appel depuis le Cameroun. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Comment vas-tu, mon frère? Non, je vais bien. Je vous appelle comme ça du Cameroun. Je vous
mon cadeau. Je vous ai écrit là, vous n'avez pas vu. Non, mais je reçois 5000 messages, donc tu vas recevoir ton cadeau. On va t'amener le livre tout à l'heure. Actuellement, c'est les gens qui appellent pour poser des questions. Je veux répondre à des questions franches. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont pu suivre un direct, qui ont pu entendre quelque chose, mais qui peuvent me poser des questions. Je ne suis pas le genre de personnes qui fuient. J'assume. Près de 2 heures. Combien de personnes connectées? 5000 personnes connectées. Allô? Allô, bonsoir, mon général. Bonsoir, comment allez-vous? Non, ça va, ça va. C'est pour une question? Oui, c'est pour une question. Je vous écoute, maman. Moi, je vis aux États-Unis et j'aimerais savoir comment faire pour avoir un moral d'acier comme vous là. Parce que vraiment, avec toutes les pratiques qu'on a dehors, vraiment, je n'arrive pas à avoir un moral d'acier. Maman, c'est tellement simple et facile. Est-ce que vous avez déjà reçu mon livre? Non, je n'ai pas encore reçu, j'ai écrit. Voilà, c'est que tu vas le recevoir. Parce que dans mon livre, au chapitre 16, je traite le thème qui parle d'un moral d'acier, c'est-à-dire à la 181e page. Maman, pour si je veux te parler, c'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement, donc c'est tellement fort. Mais je vais te donner un premier secret. Est-ce que ce qu'on dit, ce que les gens disent de toi, est ce qui te définit? Non. Il y a deux choses qui te définissent. La Bible dit, on vient poser la question à Jean-Baptiste. Certains disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es ceci. D'autres disent que tu es un prophète qui devait venir. Toi-même, que dis-tu de toi-même? Madame, la première des choses qui agit dans votre vie, c'est ce que vous dites de vous-même. Et la deuxième des choses, c'est ce que Dieu dit de vous. Or, ce que Dieu dit de toi, il te l'a déjà dit. Il dit avant que ton père et ta mère te connaissent, et plutôt te mettre au monde. Jérémie, lui Dieu, il te connaissait. Il t'avait déjà établi. Il t'avait déjà consacré. Madame, c'est la preuve que ton père et ta mère ne sont même pas tes vrais parents. Parce que Dieu dit, avant qu'ils aient leur rapport sexuel, lui te connaissait. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsqu'on parle de toi, il y a 3 questions que tu dois te poser. Numéro 1, est-ce que ce qu'on dit de moi est vrai? Numéro 2, est-ce que ce qu'on dit de moi peut me faire avancer? Numéro 3, est-ce que ce qu'on dit de moi peut me rapporter de l'argent? Si la réponse est non, la seule réponse que tu peux donner à tes ennemis, c'est la réussite. Je prends un autre appel. Allô? Allô, le père, le général. Oui, comment vas-tu, mon frère? Oui, ça va et toi, il y a peur depuis le Canada. Là. Que Dieu te bénisse. C'est pour une question? Ouais, c'est pour une question. Je t'écoute. Ouais, au fait, bon. Je comprends pas comment tu fais pour avoir un moral d'acier comme ça. Ah, vous allez me tuer! Champion! Parce que tu as un moral tellement solide. Alors que ça fait minimum une semaine, les gens sont sur toi, ils te tabassent partout, ils te tapent, ils te jettent des pierres. Hein. Mais tu es encore là, je comprends pas en fait. Est-ce que tu es chrétien? Non, moi je suis musulman. D'accord, je vais te lire un verset biblique dans la Bible. Cette Bible que j'ouvre, c'est la Bible que j'avais en prison. Dans le livre de Colossiens. Je vais te montrer ça dans la Bible. Et puis ça va mettre fin au débat. Colossiens chapitre 2. Okay. Je vais te lire ça rapidement pour que tu comprennes d'où vient. Plutôt Colossiens chapitre 3 à partir du verset 3. Écoutez bien. On dit Makoso est le pasteur sans Bible. Mais je viens d'ouvrir la Bible et je viens de donner le passage. Je n'ai même pas souligné le texte pour dire que non, que c'est un passage que j'ai souligné, donc je reconnais. Colossiens 3:3 dit, car vous êtes morts. Votre vie est cachée en Christ et de Christ sort en Dieu. Champion, ouais. Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Champion, ce qui est mort ne peut plus mourir. Je mets dans ma tête que je suis déjà mort. Donc tout ce que les gens font là, je ne me sens pas concerné, champion. Si tu mets ton cœur, parce que la première des choses que tu dois préserver de tout, c'est ton cœur. Je vais te faire une deuxième confidence. Est-ce que tu sais que tous les directs qu'on fait sur moi, je ne suis pas? Non. Parce que la première est, quand tu suis,
Ça te fatigue le cœur. Ça te donne les palpitations. Donc, j'ai mis une règle. Pendant 2 jours, je n'étais pas connecté sur Facebook. J'ai donné tous mes téléphones à ma fille. J'ai pris mes médicaments pour dormir. Et je dis à mon petit, j'ai fait des programmations sur Facebook. Il y a ce qu'on appelle un créateur Facebook. C'est un élément qui te permet de programmer tout ce que tu vas publier même pendant 3-4 jours. Donc, tu mets une photo, tu publies, tu mets une photo, tu publies, puis tu programmes. Et à l'heure exacte, Facebook publie. Donc, j'ai lancé ça et je suis allé dormir. Donc, les gens se sont fatigués. Quand je me suis réveillé, j'ai posé une seule question. Est-ce qu'on a fait sortir un nouveau papa sur moi que les gens ne connaissaient pas? On a dit non. J'ai dit, c'est que le débat est clos. Donc, j'ai mis ce système en place. Deuxième élément, c'est mes rêves et c'est ma vision. Quand dans la vie, tu as des ambitions. Prenons un simple exemple. En 2025, j'ai pour ambition d'être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Non, t'es voté. Tu sais pourquoi? Pas parce que peut-être je vais gagner. Parce que je vais dévoiler certaines choses que je ne peux pas parler maintenant si on me met en prison. Mm-hmm. Il faut que le débat sur l'argent du pétrole en Côte d'Ivoire ait lieu. Où va l'argent du pétrole? Mais bon, on va dire, c'est bon. L'électricité qu'on vend dans les pays tels que le Burkina et autres, l'argent, ça va où? Vous connaissez le débat? Jamion. Donc, actuellement, la CIA commence à parler de ça. De Amakoso, il paraît que tu nous as insulté au Cameroun. Il fallait te reposer un peu en prison. Donc, pour le moment, il ne parle pas. Donc, en 2025, je vais dévoiler, c'est plus présenter mon projet. Tout étudiant qui a son, toute personne qui a son bac reçoit 300 000 francs chaque année pour ses études. Ça, c'est un projet. Dès que je suis élu président de la République, je me fais au contrat de la CIE en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, CIE là, je m'assois, j'invite toute la presse. Et puis, j'ai dit, leur contrat là, je déchire ça. Ils ne sont plus prioritaires en Côte d'Ivoire. Ils n'ont plus le monopole. Donc, quand tu as ces gens de rêve, que les gens veulent t'amener dans les débats des chiffonniers, tu les vois petits. Donc, le troisième code pour réussir en 2022. Le premier code, c'est la détermination, la rage de vaincre. Le deuxième code, c'est d'oublier les événements du passé. Tout ce qui t'a peut-être blessé. Et le troisième code, c'est d'avoir un rêve fou. Quelle est ton ambition? Donc, quand tu as des grandes ambitions, qu'on veut te ramener dans des petits débats de quartier, des petits débats de quartier, en fait, tu trouves ça petit et ça ne te touche pas. Parce qu'en fait, tu n'es plus toi-même. C'est comme si tu joues le rôle d'un personnage. Tu es dans la peau de quelqu'un d'autre qui est déjà dans l'avenir. Et à partir de là, tu réussis. Je prends un autre appel. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir le général. Comment vas-tu? Oui, ça va, j'appelle de Paris. Papa, quelle est la question? En fait, je voulais vous poser une question. Vas-y, papa. Ouais, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, est-ce que l'acte que tu as fait, est-ce que si ça recommence, vous allez le faire? Oui, je vais le refaire, mais je vais le faire cette fois-ci différemment. Je t'explique. La plus grave erreur que j'ai commise, pour laquelle je demande encore pardon, c'est que lorsque j'ai fini au stade, et c'est ce que les Ivoiriens m'ont reproché qu'après j'ai compris. Quand j'ai fini au stade, quand je suis revenu à l'hôtel, j'ai fait un direct. Et dans le direct, je répondais aux injures. Exactement. Et les injures, les gens ont senti, ont pensé que c'est à tous les Ivoiriens que je m'adressais. Or, je m'adressais à ceux qui étaient en train de m'attaquer. Et là, j'ai manqué de sagesse. Mais l'action d'aller au Cameroun, ça a été une très bonne action. Parce qu'après ça, on n'a plus vu les blogueurs ivoiriens insulter les blogueurs camerounais. On n'a plus vu les blogueurs camerounais insulter les Ivoiriens. Toutes les injustes sont concentrées sur moi. C'est comme si ça arrivait à la maison. Et puis tous mes parents commencent à me frapper pour dire, pourquoi tu es allé chez le voisin? Donc j'ai pris le coup. Et c'est moi, parce qu'un enfant, là, on va le frapper jusqu'à... Mais est-ce qu'on va le chasser de la maison? Non. C'est l'enfant de la maison. Donc on va le frapper puis on va dire, ah bon, ok. Bon, t'as frappé, bon, c'est bon, maintenant laisse-le. Donc, c'est ce qu'actuellement les événements sont faits. Donc, j'allais le faire, mais j'allais faire ça différemment. J'allais au moins mieux communiquer pour expliquer le pourquoi je partais. Il y a eu un manque de communication et ça a été vraiment peut-être la faiblesse. Sinon, aller au Cameroun, je ne regrette pas ça. J'ai bien fait d'y aller parce que ça allait prendre une ampleur où nous allions perdre la canne et demain, c'est moi qui allais être fautif. Que Dieu te bénisse. Je vais prendre une autre question. Je ne peux pas trop durer avec les gens. Je vais prendre un peu. Allô? Allô? Allô, 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 allô? Allô? Oh là là. Quand vous appelez, ne mettez pas le haut-parleur. Allô? Là, je suis face à vous, hein, les abonnés. Le peuple, je suis face à vous. Je réponds à toutes vos questions. Allô? Oui.
Allô, je vous écoute. Bonsoir. Vous appelez depuis le Bénin. Bonsoir. Oui, j'appelle depuis le Bénin. Oui, je t'écoute. Je vous admire, Makoso. Merci beaucoup. J'admire votre verbe, votre franc-parler, votre vérité. J'admire tout. Mais je voudrais vous demander quelque chose. Demande-moi. Est-ce que ce n'est pas mieux de ne pas insulter? Oui, je papa. De plus humblement pour... Mon frère, c'est que tu dis à quoi? Faut même pas être un même. Vous devez me donner cocotta. C'est-à-dire parce que c'est vous que je fais souffrir le plus. Vous qui m'aimez là. Quand il y a ces genres de situations, c'est vous qui souffrez le plus. Et à chaque fois, vous me donnez des conseils. À chaque fois, je retombe dans la même bêtise. Je vais t'expliquer le problème. Je suis un enfant d'Abobo. Oui. Abobo est la commune la plus bandite en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait... Donc, j'ai ce tempérament... Tu vois souvent chaud dont la chair prend le dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de prendre beaucoup de moments de jeûne pour que ce côté qui est en moi, qui est une faiblesse, chacun a une faiblesse. D'autres, c'est la masturbation. D'autres, c'est le vol. D'autres, c'est convoitise. Moi, là, c'est mère con qui est ma faiblesse, là. C'est ça. Donc, il faut qu'ils prennent 3 jours de jeûne pour que Dieu enlève ça en moi. C'est quelque chose qui doit tuer en moi. Parce que quand je le dis, même si c'est pour rire, les femmes se sentent blessées parce que c'est comme si j'insulte l'intimité des femmes. Donc pour ça, je vous demande pardon. Voilà. Je vais faire l'effort. Voilà. Je ne suis pas en train de vous utiliser ou vous manipuler. Je reconnais mes faiblesses. La Bible dit, celui qui reconnaît ses transgressions obtient pardon et obtient miséricorde. C'est ça. Voilà, que c'est Dieu ça. Te bénisse. Que Dieu Amen. Te bénisse. Je vais prendre un appel depuis la Russie. Allô? Allô, le père. Comment vas-tu, mon frère? Isaou, général. La question. Pose-la, moi, sans problème. La première question, est-ce qu'un étant riche, on peut recevoir les livres? Oui. Parce que, en fait, la richesse, ce n'est pas seulement avoir les finances. La richesse, c'est aussi la stabilité dans la gestion de ton comportement. La stabilité dans la gestion de tes finances. Il y a eu des gens qui ont gagné à la loterie, ils ont eu des millions. 3 mois plus tard, ils ont tout perdu. Parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'on appelle... le tempérament de la gestion des finances. Regarde par exemple moi le général. Dans ma tête, j'ai mis une chose. Je n'ai rien. Donc même quand j'obtiens 10 millions, 15 millions, 20 millions, je prends, je mets ça sur le compte de mes enfants. Soit les gens ne savent même pas que j'ai un compte au Cameroun. Soit j'amène au Cameroun, soit je mets sur mon compte en France, soit je dépose dans mon compte au Burkina. Je panache ça de cette manière pour que rien ne reste souvent sur moi. Ça, c'est ce qu'on appelle la discipline financière. Ça te permet de garantir l'avenir de tes enfants. Donc le livre là, ça te permet de l'avoir. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les fausses gloires. Il y a des moments donnés où tu reçois une gloire. Tu as l'impression que tout va bien. Or, la gloire ne te donne pas l'information de ce qu'on appelle la saison de la vallée. Dans l'ombre de la vallée de la mort. Écoute-moi bien. Entre deux montagnes, il n'y a pas de pont. Voici une montagne ici, voici une montagne ici. Entre les deux montagnes, il n'y a pas de pont. Dans la vie, souvent tu es élevé, tu penses que tu as réussi. Mais Dieu va faire en sorte un jour que tu vas descendre de la montagne parce qu'il doit t'amener sur une montagne qui est plus haute. Pendant que tu descends de la première montagne, les gens pensent que tu es tombé. Si tu n'as pas l'attitude et les enseignements qu'il faut pour savoir garder le cap, pour remonter sur la seconde montagne, tu peux échouer. Donc il te faut les livres aussi. Les étudiants, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les ménagères doivent lire le livre du général, c'est gratuit. 00-225-01-50-50-50-22. Allô? Le père, c'est comment? Ça va bien. Et chez toi? Ouais, il y a un fort. Au fait, il y avait un peu tout de suite, mais tu n'as pas pris. Ben, bon, là, il t'appelle, il te pose une question, quoi. Vas-y. Ouais, c'est concernant, comment on appelle ça? Moi, je suis au Canada, il voulait savoir comment il allait faire pour... Non, c'est ce genre de produit, quand les juifs l'amènent, c'est pour des conventions. Mais il existe ce qu'on appelle un kit complet. Il y a le plus redoutable, je suis en train de le présenter maintenant à l'image pour que tu le voyes. Voici le kit le plus redoutable en Israël, voici le premier élément. Cet élément, on l'appelle le transfert de richesse, que je suis en train de présenter, c'est le transfert de richesse. Le deuxième élément, c'est le parfum d'Esther. Voici l'huile d'Esther en Israël que les femmes utilisent. Voici le parfum de Salomon pour la richesse financière.
Et voici le parfum de domination que voici ici. Ça, c'est ce que les Juifs utilisent dans le domaine de la protection, dans le domaine de la domination. En Israël, ces quatre éléments font exactement 600 euros. Mais qu'est-ce que moi, j'ai décidé de faire? D'ici fin mars, j'ai décidé moi-même de financer 450 euros pour 1000 personnes. Donc, quelqu'un avait seulement 150 euros à le groupe des quatre éléments. Et il est impossible. C'est pas possible. Ce sont mes secrets. Donc, écris-moi sur ce WhatsApp pour dire, mon général, comment obtenir le kit complet. Et je t'envoie les références. Oui. Oui, une dernière question. Pose-la, moi. Allô. Oui, allô. Oui, il y a une dernière question pour toi, quoi. Pose-la, moi. Oui, moi, je veux savoir. Bon, même si ça sort un peu du cadre de tes produits. Il n'y a pas de problème. Pose la question. Je réponds à toutes les questions. Je veux savoir, les querelles avec ma culture nationale, là, ça vient tout, je comprends pas. Parce qu'il me rappelle bien que c'était ton bon petit. Maintenant, bon, on m'a demandé, c'est plusieurs personnes qui me conseillent, m'ont dit de ne plus jamais parler. Mais je vais te répondre franchement, de tout mon cœur. Lorsque je perds ma femme, le petit fait une vidéo d'abord pour m'attaquer, pour se moquer. Et Sénic Kramba l'interpelle pour lui dire ce que tu fais est dangereux. Makosso est dans une position de faiblesse, il est mieux qu'on le soutienne. Donc le petit fait une première vidéo en allant écouter mes opposants et il voit qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs. Et il commence à les démonter. Je vois un petit qui fait une vidéo qui me défend, il parle bien, je le félicite. Ensuite, lui et moi, on rentre en contact. Il me dit, ah, vieux père, est-ce que tu as peut-être des éléments à me donner et autres? Les gens disent qu'on n'a pas fait le certificat de décès. Oh, j'ai dit, mais voici les papiers et autres. Moi, je n'ai rien à cacher. Oui. Donc, il joue un rôle. Et quand il fait des directs, je partage sur ma vidéo. Donc, ça lui donne une cote. Mm-hmm. Ensuite, il me demande quelles sont les techniques pour être plus connu. Oui. Je lui dis, en matière de blog, il faut réagir automatiquement sur l'actualité. Et quand tu parles, parle avec rage. En fait, imite-moi quand tu parles. Tu vas voir que tout de suite, tu vas te faire connaître. Donc, il se colle à plusieurs personnes et autres. Et arrivé, le premier jour, il a fait 7000 personnes. Il m'appelle tout joyeux. Hein, papa, le vieux. 7000 personnes étaient connectées. J'étais tellement content. Sa mère ne voulait pas qu'il puisse faire les directs parce qu'elle recevait plusieurs attaques. C'est moi qui ai appelé sa maman pour lui dire, maman, Dieu me dit, ton fils là, il sera l'un des influenceurs les plus connus. Laisse-le. Et arrivé un moment donné, j'entre dans ce qu'on appelle des conflits avec certaines personnes. Ouais. Il est mon élève. Il met sa caméra et il vient me descendre. C'est-à-dire, de la manière dont ils sont conflits avec les Ivoiriens comme ça, là, c'est comme si Lolo Beauté vient faire vidéo pour dire, mais toi, Camille, on te parle, tu ne coûtes jamais, tu es un pasteur, au lieu d'être intéressé dans ton histoire des pasteurs, ça me rabaisse, ça me descend. Mon équipe ne peut pas jouer contre moi. Ouais, c'est pas fou. Une fois, j'ai dit, ah, mon petit, fais ce que tu fais là, c'est pas bien. Ensuite, il y a eu l'affaire de Chris Yapi. En pleine période de Chris Yapi, tu fais une vidéo, tes produits que tu vends à tes fidèles, les histoires de vin de Canaan et autres. J'ai dit, ah mon petit, tu n'as jamais participé à mon programme. Toi et moi, on ne s'est jamais vu. Tu m'attaques de cette manière-là. C'est un peu sale. C'est humiliant. Si tu es un opposant à moi, tu me dis, là je sais que tu es un opposant, ce que tu fais, ça ne me dit plus rien. Mais tu ne peux pas être de la maison. Et puis m'attaquer, oui. C'est pas bien. C'est bon. Mais comme tu m'as défendu dans le temps de ma femme, je n'ai pas le droit de te répondre. Mais je préfère que nos chemins se séparent. Parce que de la manière dont tu es en train de partir, là, demain, c'est pas bon. Oui. Il demande à sa mère de m'appeler pour me demander pardon. On était en juin, je pardonne, je laisse tout tomber. Autre. Et il revient à la charge. Je crois qu'il y avait une affaire de Peter 007. Il m'humilie devant le monde entier. Comme on n'a jamais humilié quelqu'un. Les mêmes choses qu'il dit là, c'est les mêmes choses qu'il répétait. C'est là, j'ai dit, ah, l'enfant, il va loin. Et il y a eu l'affaire de Fabi, la fille qui a été violée au Maroc. Oui. Tu défends le violeur. Je lance un direct, tu me dis, arrête ton direct, je vais donner l'identité du premier violeur de la fille. On ne joue pas avec des choses sacrées telles que le viol. C'est vrai. Je coupe mon direct, il partage, il me demande de partager et ensuite,
il nague tout le monde. Pour dire à partir d'aujourd'hui, c'est moi, je suis le maître de Facebook. Je viens de vous le démontrer. J'enlève ma main dans cette affaire. C'est là, il dit, bon, mon petit, vraiment, ce manque de respect-là, c'est la preuve que toi, là, tu as un esprit. Il faut tuer le père pour s'asseoir sur son trône. Je te demande merci. Je te dis merci. Je ne veux même plus avoir affaire à toi. Adieu. Puisqu'en juin, il t'avait déjà dit adieu. Donc, c'est ce qu'on appelle une stratégie de tuer. Tu sais, dans l'histoire de la royauté, quand un roi est assis sur un trône, pour prendre son trône, il faut le tuer. Ça, c'est vrai. C'est pas autre chose. C'est la politique qui est mise en place. Donc, en gros, si on veut bien voir le petit, il a été un grand en fait, toi. C'est ça. Un grand même est petit. C'est la sorcellerie même. Puisque sa femme accouche. Quand moi, il m'appelle, c'est pas 1 euro, 2 euros, c'est 1000 euros, j'envoie. Parce que tu es mon fils. Quand tu veux lancer ta marque de vêtements, tu demandes ma participation, je te donne l'argent. Tu dis, pendant un prêt, je te donne, je t'encaisse jamais. Mais mon général. Quand tu en parles avec certaines personnes et que les Guinéens veulent te taper, les Burkinabés veulent te tuer, ou bien on te dabat au niveau de château d'eau, c'est moi qui vais faire une vidéo pour dire c'est mon fils, laissez-le. Quel est le mal que moi j'ai pu faire? Jamais. On me dit non, tu es jaloux. Dans ce moment, je suis jaloux de visibilité, je suis jaloux de Lolo Beauté. Puisqu'il y a eu une saison où Lolo Beauté m'humiliait en matière de vue. Lolo Beauté me dévançait très mal. Oui. Donc, c'est un peu bête. Oui. Et c'est des personnes qui se font entourer des pasteurs, qui les appellent, qui leur donnent maintenant des révélations. Dieu m'a dit que c'est toi qui es le plus grand. Marco, sois jaloux de ton étoile, t'es connerie pareil. Donc, il est rentré dedans, il lui a dit au revoir. La preuve, aujourd'hui, le constat est là. Abby qu'il a lancé là, il ne fait plus ça, ça a disparu. Chanson qu'il a fait là, ça ne mousse plus. Donc, il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc, il y a... Mais général, oui. Mais tu ne penses pas qu'un jour, il puisse avoir une certaine sorte de réconciliation entre deux? Je vais te dire une vérité. Je vais te dire une vérité. Si ce petit se convertit à Jésus, s'il donne sa vie à Jésus, parce que quelqu'un qui est chrétien a les sentiments de Christ. Ça, c'est vrai. Quand tu donnes ta vie à Jésus, là, tu n'es plus la même personne. Ce n'est pas aller à l'église, hein. C'est donner sa vie à Jésus. Tu n'as plus les mêmes sentiments. Toi, tu m'écoutes là, mon frère. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui veut le mal de quelqu'un? C'est pas possible. Parce que j'ai les sentiments de Christ en moi. Je ne sais pas faire ça. Je sais me défendre, me faire du mal. Aujourd'hui, il y a des personnes qui m'ont appelé des pirates, qui m'ont dit, donne-nous le OK, on ferme sa page demain. J'ai dit jamais. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils ont des vidéos de la nudité de certains de ses parents. Qui sont allés coucher avec eux, leur papa. T'as dit, un jeune m'appelle dit, vieux père, j'ai la nudité du parent de ce petit-là qui allait baiser mon papa. Je t'envoie la nudité. Et puis tu balances. Il a dit, mon petit, garde ça pour toi. C'est pas de mon leven, champion. Moi, faire le mal, je ne connais pas. Parce que la Bible dit, ce que tu fais à l'autre, ça retombera toujours sur toi. Donc voici deux parties. Si le petit se convertit à Jésus, qu'il devient chrétien, qu'il donne sa vie à Dieu sincèrement, il devient mon frère. Mais pour l'instant, là, il n'est pas chrétien. Il dit aux gens d'aller suivre des mystiques. Il y a un nouveau mystique. Lui, il lit la lune, il regarde étoile, il connaît. Il dit aux gens d'aller s'abonner, d'aller l'écouter, que c'est lui qui est un vrai homme de Dieu. Donc, champion, les gens qui font Zamou, là, moi, je ne suis pas dans leur mouvement. Moi, il fait Dieu. Mm-hmm. Mais non, mon général, dernière question. Voilà, je veux savoir. Bon, il y avait une vidéo dans laquelle j'avais présenté des excuses la fois dernière par rapport où les gens te traitaient de Judas, où tu disais que tu étais un sorcier, que tu allais au Cameroun sans prévenir tes frères et tout. Ouais. Bon, là, tu as présenté tes excuses. C'est ta dernière question, oui. Ok. J'ai vu que tu étais avec des élèves ou des étudiants à Cocotier, tout du genre. Ouais, ouais. Présenter tes excuses, t'as mis en genoux, tout ça. Mais après, encore, tu reviens sur Facebook. Et dire que, non, les Ivoiriens, bon, je ne prends pas le cas général, mais tu as dit que certains des Ivoiriens sont des bipolaires comme ça, alors que tu as... Non, ça c'était avant. Où il a parlé des bipolaires, là, c'était avant qu'il demande pardon. C'était une réponse à un message. Maintenant, j'ai fait une vidéo, depuis je te le dis aujourd'hui encore, moi, mes abonnés, là, c'est des bipolaires. Je ne parle pas des Ivoiriens, mes abonnés, là. Si toi, tu fais une vidéo, tu te dis, Marco, c'est un faux pasteur. Comment un pasteur peut parler comme ça? Il croit. Et il vient m'insulter dans les commentaires. Maintenant, quand moi je refais une vidéo, comme je suis en train de faire là, les mêmes viennent dire, ah Marcos, vraiment tu es un gars bien, moi vraiment tu m'as convaincu. C'est un comportement des bipolaires. Oui. Donc c'est une façon de eux les narguer. Ce n'est pas les Ivoiriens, je ne parle pas des Ivoiriens, jamais. Les Ivoiriens là, c'est 26 millions. Il n'y a même pas 4 millions qui ont Facebook. Donc,
vais parler des Ivoiriens. Les Ivoiriens, je les rencontre dans les rues. Ils sont au marché. Ils ne sont pas sur Facebook. Donc, ouais. Tu penses qu'après la CAN, ils vont revenir? Non, ils sont arrêtés, champion. Ah, tous sont en train de revenir en pleurant même. Je suis le DA. Il a dit, champion, prenez un exemple. On dit qu'il y a augmentation du pain en Côte d'Ivoire. Ouais. De tous les blogueurs en Côte d'Ivoire, qui est le guerrier qui peut aller jusqu'au charbon? C'est le Marcoso. Non, il veut pas, on s'est rallié. C'est quoi ça? Il n'y a pas un appel depuis le Cameroun. Allô? Allô? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui suis la photo là? Allô? Oui, c'est moi. Bonsoir, mon général. Oh, laisse avec de bonsoir là. C'est toi qui suis la photo là? Oui, c'est moi. Ma chérie a des lolo, lolo. Un peu comme Lolo Beauté. Voilà. Mamie Adèle. Voilà. Yeah. Mamie Adèle, lolo, lolo. Quelle est la question, maman? Je t'écoute. Voilà, mon général. En fait, s'il vous plaît, je respecte Aya Robert. Aya Robert m'a donné des conseils dans sa vidéo. M'a dit de ne plus jamais parler de quelqu'un. Donc, ne me posez plus des questions par rapport aux blogueurs. Je ne veux plus jamais parler de ça. Je veux qu'on parle des choses utiles à la société et des choses dont vous n'avez pas, par exemple, des réponses. Qu'on voulait des réponses. Je vous écoute. Mon général, je demande votre venue au Cameroun. Vous arrivez quand au Cameroun? Vous êtes dans quelle ville? On vous attend. Toi, tu vis où? Nous, ça? On vous attend au Cameroun. Tu vis où, maman? Je suis à Yaoundé. D'accord. Yaoundé, Cameroun. Laisse-moi te donner le programme. Logiquement, si tout se passe bien, j'arrive le lundi 14. Lundi 14? Voilà. Et je repars le lundi 21. Je vais faire au total une semaine au niveau de Yaoundé. Voilà, je vais faire une semaine à Yaoundé parce que j'ai des amis qui sont là-bas et autres. Je dois aller rencontrer les chefs traditionnels. Il y a des interviews dont les gens veulent faire avec moi sur les téléradios. Et puis, je vais faire des recherches d'appartements parce que je vais acheter un appartement à Yaoundé. Là, comme ça, quand on veut me frapper à Abidjan, viens, j'ai disparu, mais t'es sous couché au Cameroun. Celui qui est garçon n'est qu'à aller m'attraper là-bas. C'est lui qui est garçon, il est allé m'attraper à Yaoundé. Un général reste un général. Maman, mais quand je vais annoncer mon arrivée là, je veux vous voir à l'aéroport, oh maman. Il a dit, le goût de ça. Il a dit, les aigris vont avoir mal. Bienvenue. Aïe. Je vis au Cameroun. Je ne vais pas tomber dans le lac. On vous attend, mon général. Merci, maman. Merci, maman. Du coup. Voilà. Les Ivoiriens qui me détestaient. Les Camerounais m'ont pris. Allô? Ah, allô? Je voulais participer au direct du général Marcoso. Mon frère, tu es en direct, c'est la liberté d'expression. Tu peux poser la question. Ok. Mon général Marcoso. Oui, papa. Allô? Oui. Je t'écoute. Faut pas écouter le Facebook. Là, parle directement au téléphone. Ok, je me retire un peu du live parce que j'ai pas le retard. Là. Voilà, c'est un petit retard, oui. Quelle est la question? Oui, mon général. Je suis en Allemagne. Je t'appelle depuis l'Allemagne. Ok. Oui, j'ai vu vraiment tout ce qui s'est passé. Et je suis même ici avec un frère ivoirien. Oui. Vous êtes vraiment d'Abobo? Oui. Parce que j'aime mon petit ici. On l'appelle la Bobolet. Donc oui. Nous, on a même donné son nom à Bobolet. Ouais, ouais. Il est d'Abobo, quel quartier? Bon, il me dit qu'il est d'Abobo. Faut me le passer. Bon, en fait, il n'est pas ici présentement avec moi. Il est... Ah, d'accord. Mais quelle est la question que tu veux me poser? Bon, en fait, moi, en général, je voulais savoir qui tu es vraiment. Parce que. Je vais être très honnête envers vous. Oui. Je suis pasteur depuis 1999, ça me fait 23 ans de service. Oui. J'ai visité 33 pays, mais quand le Facebook, l'avènement des réseaux sociaux est arrivé, Dieu m'a montré une autre stratégie d'évangélisation. C'est-à-dire, oui. Je prends le soin de prendre des sujets d'actualité, comme je sais parler. Je parle des sujets d'actualité, ça me positionne comme étant un leader naturel dans la vie de certaines personnes. Oui. Et ça facilite le contact quand je dois les présenter. Prenons un exemple. Demain, par exemple, je lance un direct où je montre les 5 signes qui prouvent que les sorciers ont envoûté la vie de quelqu'un. Premier signe, lorsque vous faites un rêve, que dans le rêve, vous voyez un animal qui vous poursuit.
C'est la preuve qu'un sorcier est derrière votre vie. Quand les gens vont finir d'entendre ça, ceux qui ont le même problème, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont m'amener un message pour dire, ah, vraiment, général, ce que tu as eu à dire, là, moi, je vis ça, qu'est-ce que je dois faire? Je lui envoie une prière. Quand il est délivré, là, il va me dire, ah, mon général, comment maintenant je dois me comporter? Donc, tu vois que la stratégie d'évangélisation par les réseaux sociaux devient plus facile. Et grâce à ce système, dans tous les pays où je suis passé, j'ai rassemblé des milliers de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Donc, il y a l'homme de Dieu, Camille Makosso. Il y a l'influenceur, Camille Makosso. Il y a le coach, Camille Makosso. Et il y a l'homme des... Comment on appelle ça? L'homme des... Comment je pourrais le dire? L'homme d'affaires. Donc, il y a trois personnes en moi. L'homme qui parle actuellement, c'est l'influenceur. Si je me mets dans la peau de l'homme de Dieu tout de suite, je vais commencer par dire, je déclare au nom... Donc, il y a une métamorphose qui commence automatiquement dans ma vie. C'est le plus moi qui parle, c'est l'esprit de Dieu en moi qui parle. À partir de là, on voit des guérisons et des délivrances. Je suis un homme de Dieu authentique, avec ses faiblesses, avec ses péchés. Je n'ai pas voulu me présenter comme étant un homme saint. J'ai voulu me présenter comme un homme comme tout le monde. Pour dire que Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser ce qu'il veut. Regarde dans la Bible. Il y a un homme qui participait à l'assassinat des chrétiens. Il s'appelait Paul. Paul. Il est devenu le plus grand de tous les apôtres. C'est lui qui a écrit Romains, Corinthiens, hein, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Galates, Tite, Timothée, 2 Timothée. Merci bien. Mais il était un meurtrier pour dire que dans les derniers temps, Dieu utilise ce qu'il veut. Maintenant, allons plus loin. Qui est la première personne qui est rentrée au paradis? Quand vous lisez la Bible, Jésus est à la croix. Il y a un bandit. Voilà. Il a dit à Jésus, souviens à la droite. Il dit, souviens-toi de moi. Quand tu seras dans ton paradis, Jésus l'a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. C'était un bandit. Donc aujourd'hui, les gens jugent par l'apparence. Or, dans mon style, là, il y a des jeunes qui peuvent m'écouter. Il y a des jeunes qui peuvent s'approcher pour dire, ah, vieux père, regarde au-dessus. Il y a des vendredis, par exemple, je reçois les prostituées chez moi ici. Les géreuses de Bizi. Il y a où monter ma salle. Je suis en direct, hein. Et puis, il y a où monter ma salle. Il y a où monter la salle où je reçois les prostituées. Qui viennent, c'est un vendredi dans le mois. Voici ma salle. Voici la salle. Je les reçois. Ils viennent ici et je leur montre comment sortir de la prostitution. Mais il n'y a pas venu leur dire Alléluia, Amen, Dieu te bénisse. Non, je leur donne les secrets d'abord du coaching. Et c'est après maintenant, tout le monde me dit, ah papa, prie pour moi. Une fois que la personne demande la prière, j'engage dans la prière. C'est la stratégie que j'ai mis en place. Je prends un autre appel. Allô? Allô, 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 allô? Allô, bonsoir monsieur. Allô, je vous entends, bonsoir monsieur. Allô papa, bonsoir. Vous écoutez le Facebook Live, ça fatigue. Allô. Oh Seigneur, laissez-moi brancher s'il vous plaît. Laissez-moi brancher mon téléphone. Voilà. Donc pour ceux qui ne me comprennent pas, voici moi la stratégie qui est mise en place. Mais quand les gens m'attaquent, il m'attaque toujours sur le côté religieux. Oh, c'est un faux pasteur. Mais est-ce que Makosso a une fois escroqué quelqu'un? Si la réponse est oui, mais vous qui faites les vidéos là, venez donner l'identité des personnes. On veut voir. Mais jusque là, on ne voit personne. Mais quand Makosso aide, on ne parle pas de ça. Oh my goodness. Allô? Oui, allô? Maman, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir mon général. Que Dieu te bénisse grandement. Tu peux poser ta main gauche sur ton genou droit, s'il te plaît. Ta main gauche, mets-le sur ton genou droit. Ok. Je déclare maintenant que tout esprit de paralysie que je vois maintenant dans ton genou droit est brisé au nom de Jésus. Je parle et je déclare que quiconque attaché tes genoux tombe et meurt. Et qu'à partir d'aujourd'hui, l'Éternel te lève au nom de Jésus. Amen. Maman, quelle est ta question? Alors, moi, j'ai une question et puis un petit souci. En fait, j'ai pris le kit. Mm-hmm. Et dans le kit, il y a le parfum d'Esther. Mm-hmm. Donc, quand j'arrive ici à la maison, le parfum a coulé. Donc, c'est pas bien grave. Maman,
Ça, oui. Est-ce que tu as mon nouveau numéro WhatsApp de France? Oui. Tu m'envoies un message, tu fais la photo du parfum, tu me l'envoies, je vais le remplacer. Je le fais pour toi, ma fille. Okay. Merci, amen. J'ai contacté même... Maintenant, ma fille, j'ai une question à te poser. Ça fait combien de temps tu suis le général? Je ne sais plus, ça fait peut-être une année ou un peu plus. D'accord. Tu voulais dire la deuxième chose, c'était quoi? Oui, j'avais contacté la secrétaire de la Belgique parce que je suis au Luxembourg. Mm-hmm. Et je voulais même acheter ce petit parfum là, mais elle m'a dit que ça vient en kit et qu'elle n'a pas Tu parles de quoi? Le parfum d'Esther là? D'Esther, oui. Je vais te l'amener, pas t'inquiéter pour ça, ma fille. D'accord. Voilà, tu la contactes, elle en direct, elle me suit. Je pense que je vais te l'amener gratuitement. D'accord. Dieu te bénisse. Même si ça me coûte un kit, c'est pas grave, tu es ma fille. Je prends un appel depuis Abidjan. Allô? 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 Bonsoir, madame. Bonsoir, le père. Vous, les Ivoiriens, là, c'est vous qui m'avez abandonné, non? Voilà, c'est pas grave, les Camerounais m'ont pris maintenant. Il y a marié une Camerounaise, vous m'avez trahi. Non, vous m'avez abandonné. On ne peut pas abandonner. On peut pas abandonner l'homme comme ça. On peut pas abandonner quelqu'un comme ça. Vous avez oublié tous les combats, tous mes vrais nagas dans ces pays-là. À cause des ballons, vous m'avez oublié. Eh Dieu, est-ce qu'on peut faire ça à son fils? Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut faire ça à son meilleur général? Le meilleur blogueur africain et ivoirien. Vous voulez m'abandonner pour aller où? Eh Dieu, ma fille, quelle est ta question? Le père, c'est pas tout le monde. Non, mais c'est ça. Attendez. Oui, mais quelle est la question? Pose-moi la question. C'est juste pour te dire que j'ai reçu mon livre et te dire merci. Waouh. Tu l'as lu? Merci beaucoup. Bon, j'ai reçu ça aujourd'hui, j'ai reçu. Faut lire ça. Donc j'ai commencé. Faut lire ça bien. J'ai commencé un peu, mais comme je n'ai pas reçu ça tôt. Faut lire ça bien même. Quelqu'un m'a posé une question dans les commentaires. Il dit, mon général, on dit tu as fait la prison. Pourquoi? Faut lire le livre. Il a mis ça dedans. Pourquoi Mako soit fait deux fois la prison? Mais pas fait une fois, fait deux fois. Et c'est un ancien gangster. Il a fait deux fois prison. Maintenant, j'ai vu un gars qui a fait une vidéo. Il dit, Mako soit un Congolais. Eh, ma petite soeur Aya Robert. Odi, là, c'est mon dernier dire pour dire merci à tout le monde. Et puis, écoute, en fait, les gars. Aya Robert m'a donné des conseils. Écoutez son direct. Et Lolo Bouté qui m'a appelé tout à l'heure. Vraiment, mes petites soeurs, merci beaucoup. Votre amour là me va droit au cœur. Quelqu'un a fait une vidéo, il dit Mako soit congolais. Écoutez-moi bien. Il n'a pas dit son nom pour lui pas lui faire la publicité. Parce qu'il n'est pas trop beau. Et puis il est vieux. Il a 60 ans, mais il fait comme il est jeune. C'est pas bien. Quand tu es vieux, accepte ta vieillesse et deviens sage. Il dit Mako soit congolais. Vous tous avez entendu. Mako soit n'est pas un Ivoirien, Mako soit un Congolais. Et vous savez ce qu'on dit? Il dit qu'il a reçu un papo. Il va faire écouter l'audio. Et l'audio dit, Makoso est un Congolais. On dit pourquoi? Il dit, je connais la famille de Makoso. Le papa de papa de... C'est-à-dire moi, le père de mon père est Congolais. Et que c'est sa maman, ma maman, la maman de mon papa qui est Gagou. Écoutez bien. Écoutez bien ce que j'ai dit. Ce que j'en ai dit là, c'est très important. On dit Makoso est Congolais. Il doit retourner au Congo. Ivoirien, calmez-vous. Moi là, je suis allé à l'école. Pas vers l'école. Aya Robert, prends ton tabouret, écoute-moi bien. On dit le papa de mon père est Congolais. Et que c'est sa maman, la maman de moi, mon papa là. Elle est Gagou. C'est pour ça que Makoso dit qu'il est Gagou. Allons sur cette base. Prenons que cette base-là est ce qui est vrai. Même si c'est faux. Mais prenons seulement cette base. Je prends seulement cette base. Je pose la question à tous les Ivoiriens. Mon papa, moi, son papa est Congolais. Sa maman est Ivoirienne d'ethnie Gagou. Quelle est la nationalité de mon père? Mon papa, là, on dit son papa est Congolais. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il a marié une Ivoirienne qui est Gagou de Tieba. C'est ce qu'il dit. Hein? Maintenant, il est enceinte. Puis moi, mon papa est sorti. Mon papa, là, quelle est sa nationalité? Et qui veut me dire, dites-moi. Je veux voir
la nationalité de mon papa ce soir. Pardonnez, les Ivoiriens, venez me répondre. On dit le papa de mon papa est congolais, mais que la maman de mon papa, elle est ivoirienne. C'est elle qui est gagou. Il y a un blogueur qui dit que lui, il a reçu le papo. La preuve que Makoso est congolais. Il dit, mon papa là, son papa est congolais. Il est venu en Côte d'Ivoire et il a enceinté une Ivoirienne qui est gagou. Et moi, mon papa est venu au monde. Donc, mon papa là, il est de quelle nationalité? Je vous pose la question. Ivoirien, vous qui connaissez la nationalité ivoirienne, expliquez-moi, je veux savoir. Je ne fais pas débat. Hein? On dit, je suis congolais, je prends. Mais répondez à cette question-là. Mon papa, on dit son papa est congolais. Sa maman est ivoirienne. Mon papa, là, quelle est sa nationalité? Répondez vous-même. Je ne vois pas les commentaires. Hein? Je ne vois pas les commentaires. Mon papa, son papa est congolais. Sa maman est ivoirienne. On dit elle est gagou. Mon papa qui naît d'un parent congolais, d'une mère ivoirienne, sa nationalité là, mon papa est de quelle nationalité? Je veux que vous me répondez. Donc on dit quoi? Que moi, mon papa est ivoirien. Maintenant, la question fondamentale, posable, intellectuelle, réfléchie, de la carilamento. Donc, si mon papa est ivoirien, pourquoi alors on dit que moi, Makoso, je suis congolais? C'est-à-dire, eux-mêmes, ils parlent et puis ils ne sont pas intelligents. Oh, c'est un Congolais, hein? Makoso là. Et qu'il y a Makoso en Côte d'Ivoire. Vous avez vu Makoso en Côte d'Ivoire? Son papa est congolais. C'est sa maman qui est ivoirienne. Mais vous montez aux yeux du monde entier que vous êtes d'une bêteté macabreuse, ténébreuse. Peinons que ce cas-là est vrai. Mon papa, son papa est congolais. Sa maman est ivoirienne. Est ivoirien. Tout enfant né d'un père ou d'une mère ivoirienne. Ça veut dire, si un Burkinabé vient enceinter une fille baoulée, l'enfant qui naît là, il est ivoirien. Maintenant, ça c'est mon papa. Ma maman là, son papa là, il est baoulé. Sa maman là, elle vient d'Abouté Mandeke, vers Bête, qu'on appelle ça. Oh, Agboville. Ça, c'est ma maman. Hein. Son papa est de Boaké. Sa maman vient de Abouté Mandeke. Donc, elle est ivoirienne. Mon papa est ivoirien. Ma maman est ivoirienne. Maintenant, moi, Makoso, je nais. Je suis congolais. Vous voyez. Quand vous voulez faire des débats là, allez à l'école. Quand vous voulez faire les débats là, allez à l'école. Je suis même ivoirien. Je suis Congo, je suis camerounais. Écrivez ça maintenant. Makoso est camerounais. C'est-à-dire, vous voulez faire un débat intellectuel avec quelqu'un que vous estimez qui n'est pas intelligent. Et vous dites qu'il est congolais. Mais vous dites non, la maman de son papa est ivoirienne. C'est son papa qui est congolais. Mais il est ivoirien. D'où vient cette haine? Vous ne comprenez pas le français, on n'est pas là à l'école, les petits. Il faut aller à l'école pour comprendre. Donc, Makoso, moi, là, je suis congolais. Mais mon papa est ivoirien. Ma mère est ivoirienne. Mais moi, je suis congolais. Oh, j'ai papo! Il y a quelqu'un qui connaît le Makoso là. On dit Makoso fabriquait ce cercueil. J'ai un dernier papo. Hein. On dit Makoso, c'était un astronaute. Quand il était petit, là, il était astronaute. Il était Makoso était astronaute. Hein. Que Makoso, on dit ton papa fabriquait ses cœurs. C'est-à-dire, les Ivoiriens sont souvent tellement bêtes que même un chien peut venir dire waouh, waouh, Makoso, je le connais. C'était un singe et puis il est devenu homme. Hé, hey, venez, oh! On dit Makoso, c'était un singe, oh! Et puis il s'est transformé. Vous êtes bêtes, hein? Dieu merci que tous les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Vous êtes trop bêtes. C'est-à-dire, n'importe qui parle, vous prenez ça pour la vérité. C'est-à-dire, quelqu'un parle, il ne donne pas de preuves. Il finit de parler. Wow! Il a cassé les papous. Quel papou il a cassé? Il a dit quoi? Il a dit quoi d'extraordinaire? Quand il est congolais, mais son papa est ivoirien. Est ivoirien. Tout enfant qui naît d'un parent ivoirien, il est ivoirien. Donc, prenons exemple que mon grand-père côté paternel est congolais. Donc, j'ai 4 grands-parents. Mon père a sa mère et à son père. Donc, ça fait 2 grands-parents. Ma mère
à son père et sa mère, ça fait deux grands-parents. Donc, sur les quatre grands-parents, j'ai un parent, par exemple, qui vient du Congo et j'ai trois grands-parents qui viennent de la Côte d'Ivoire. Et puis, je suis Congolais. Je suis Congolais. On dit un de mes grands-parents vient du Congo et les trois grands-parents sont de la Côte d'Ivoire et puis moi, je suis Congolais. Est-ce qu'on peut être aussi bête? C'est pour ça que quand les gens parlent, je suis serein. Parce que la fondation sur laquelle ils parlent, là, c'est le mensonge. Même ce qu'ils ont quoi, c'est faux. Mon père est ingénieur en informatique. Il a fait ses études en France. Ma grande sœur Angéline a vécu en France avec ma mère qui était enceinte de moi et qui a dit à mon père, je veux venir accoucher en Afrique. Vous ne connaissez pas l'histoire des gens. Mon père a travaillé à Renault en tant qu'informaticien ingénieur. Il est le meilleur de sa génération. Mon père a un don spectaculaire. Lorsqu'il s'engage dans le domaine de la construction des maisons, il est le numéro un. C'est un don. Il peut tracer des plans de maisons et autres. Va venir t'asseoir quand le papa de Makoso fabriquait des cercueils. Quand moi j'étais en Ndoussi, j'avais ma librairie de papeterie. On appelait ça le petit bazar. Pour ceux qui connaissent Ndoussi, c'était en face de la grande boutique du Mauritanien avant d'entrer au niveau de la gare TCF. Vous parlez des gens, vous ne les connaissez pas. Lolo Beauté vendait des galettes à la gare, là, avant d'arriver à la gare. Voici comment ma petite soeur a commencé à vendre ces choses. Et Dieu a commencé à la bénir. Elle fréquentait à l'école BAD. Vous ne connaissez pas l'histoire des gens. J'ai fait combien d'années à Ndoussi? 97, 98, 99, 2000. Je reviens à Abidjan, dans l'église évangélique Antioche, derrière les quatre étages. Mon petit frère vient, il prie pour un paralytique qui s'élève. Il dit, mon grand frère est plus fort que moi. On me fait une veillée spéciale, on m'invite. La moitié de la salle est couchée. C'est là pour la première fois ma femme me voit. Elle dit, je n'ai jamais vu un homme que Dieu utilise. Elle dit, cette fille qui est ici va devenir folle si vous ne faites pas attention. Elle s'est mise à rire. Trois jours plus tard, ma femme devient folle. Ses parents me cherchent. Et un jour, ma femme se lève et dit, mon serviteur viendra aujourd'hui. La voici ici. Voici ma femme. Ce même jour, je suis en Ndoussi. J'entends une voix qui me dit, va à Abidjan. J'arrive à Abidjan, je vais saluer à l'église. Et sa maman tombe. Elle dit, ma fille a dit que tu venais aujourd'hui. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tu avais révélé qu'elle est devenue folle, ma fille est devenue folle. Quand j'arrive chez ma femme, tous ses parents étaient en train de pleurer. Et quand j'arrive, elle descend les escaliers, elle attend ma main, elle dit, voici mon serviteur. Tous les pasteurs qui passaient, elle les frappait. Quand un pasteur vient dire, hier, tu as couché avec une femme, quitte ici, tu es trop sale. Ma femme, Tatiana. Quand elle s'est assise, elle a voulu s'agir, elle dit, tu ne fais pas ça avec moi. Je ne suis pas de ces pasteurs qui tu fais ça. J'ai mis ma main sur sa tête et dit, Esprit, libère sa vie au nom de Jésus. Elle s'est mise à sourire, elle dit, je veux manger. Ma femme a été délivrée. Vous ne connaissez pas l'histoire des gens. J'avais quel âge? Je n'avais que 22 ans. Puisque c'était en 2021 que cette histoire s'est passée. Je n'avais que 22 ans. L'église évangélique Antioche organise des programmes mercredi, samedi, dimanche. On vient avec des enfants qui ont de grosses têtes. Dieu les guérit, la tête se rétrécit devant tout le monde. Vous ne savez pas de qui vous parlez. Si vous voyez qu'il y a ce côté vagabondage, c'est pour cacher le trésor qui est en moi. Parce que si j'exerce seulement dans les miracles et les guérisons, les pasteurs, il existe dans notre sein une mafia qui tue, une mafia qui empoisonne. Si Dieu commence à monter à tout le monde le talent qui est en moi, les dons qui sont en moi, les pasteurs de Côte d'Ivoire feront un complot pour m'assassiner. C'est pour ça que j'ai le côté vagabond, mal élevé, qui parle mal pour les faire peur. Pour qu'ils puissent se dire, si on attaque Makoso sur le plan physique, il peut nous détruire. C'est une stratégie que Dieu m'a donnée. Vous ne connaissez pas les gens. Vous parlez des gens, vous ne les connaissez pas. Allez bien étudier mon histoire. Allez à Boboga, 4 étages. Allez demander qui est Makoso. Quand vous faites soigner à Boboga, avant l'hôpital, allez demander qui est Makoso. Et vous parlez de Makoso. Je vois un nina, un imbécile qui parle que le grand frère de Makoso. Attends, ton grand frère en prison. Mon grand frère en prison. Mon grand frère est en prison. Mon grand frère gère l'agence Western Union de Lolo Beauté. Vous ne connaissez pas, vous gueulez, vous parlez. Vous parlez des gens. Ma mère est à Abidjan. Tu vas lui donner tous les millions du monde. Maman dit, elle veut toujours vendre. Maman prend igname. Elle met devant ses portes. Maman vend. Actuellement, avec ma petite soeur Loulou, on est en train de se battre pour finir une maison pour elle. Elle-même, elle ne le sait pas. On est en train de construire sa maison. Elle ne sait pas. Vous m'obligez à le dire. Maman, son affaire de vendre igname, son affaire de vendre à locaux, clac-clo, tu ne peux pas dire ça de maman. Tu as bouffé. Là, elle dit, je suis vieille. Quand je m'assois puis je ne fais rien, là, mes pieds enfent, je m'ennuie. Donc, elle veut faire forcément commerce. Elle veut vendre forcément quelque chose. Je dis, si les gens viennent te prendre en photo ici,
ou bien te filmer ici, c'est pour aller dire que les Makoso qui parlent, ils sont milliardaires là. Voici les mamans en train de vendre à loco ici. Elle dit, moi, je m'en fous. J'aime ça. Je fais quelque chose. Je veux dire, vendre. Elle dit, bon, ok, on va au bien gamin. Elle dit, non. Mon petit commerce où je suis, et puis je ris avec les gens, je passe le temps avec les gens, c'est ce que j'aime. Je ne peux pas enlever ça, maman. Je ne peux pas enlever ça. Je vais beau faire, maman va continuer de faire ça. Au moins, maman, c'est comme chien-chat. Elle, moi, c'est toujours par là. Maman, c'est disputé. À la fin, je vais m'énerver. Je vais me lever à partir. Je m'entends plus, c'est mon père. C'est Lolo Beauté qui s'entend plus avec ma mère. Chez nous, là, le parking est partagé comme ça. Mais pourquoi tu ne t'entends pas toi avec ta maman? Je suis comme ça. C'est comme ça, ma fille qui m'étit là. Elle est compliquée là. C'est quand je suis compliqué en famille. Je ne veux pas qu'on me dérange. Je n'aime pas qu'on me parle trop. Les histoires, hé hey, Camille, ça va. Hé, hey, tu me manques. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. C'est comme ça, ma fille qui m'y métit est. Que mon bébé, papa, je ne me sens pas bien. Faut me laisser. Oh. Je suis dans ma chambre là-bas. Vous me dérangez. Qu'est-ce qui se passe? Je suis comme ça. On va en vacances chez ma maman. Le lendemain, moi, j'entre à Abidjan. J'entre. Mon père et ma mère sont divorcés quand nous avons 13 ans. 13 ans, 14 ans, je pense. 93, 7, donc, avec 14 ans. Donc, le côté familial, je ne supporte pas. Ça m'étouffe. J'aime être enfermé dans ma chambre seule. Je ne veux pas qu'on me dérange. Je préfère être dans mon coin, réfléchir à mes projets, travailler sur mes plans, mes stratégies, parce que mon rêve était de devenir le plus grand braqueur du monde entier. Avec pour spécialité tireur de lit. Voici ce que j'ai développé quand j'avais que 15 ans. Et je formais des jeunes dans ça. Voici comment en 1997, je vais en Douce et je participe à une convention du révérend pasteur Eba Raymond qui presse sur la puissance du Saint-Esprit. Je vois des gens recevoir le Saint-Esprit. Ils parlent en langue. Je vois que les visages qui étaient tristes, c'est comme si on enlève une couverture. Il y a la joie sur les visages. Je dis, mais cette paix, et cette joie-là, ils l'obtiennent d'où? Parce que nous, on partait dans les maquis, on partait dans les boîtes, mais on n'avait pas cette paix-là. Tu rentres à la maison, tu es triste, tu as envie toujours d'aller encore dans le maquis pour ressentir une joie. Mais la joie-là, quand tu rentres à la maison, elle n'est pas là. Je m'approche du pasteur et dis, comment faire pour avoir le Saint-Esprit? Il me dit, Camille, il faut que tu abandonnes ton ancienne vie. Il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, c'est quoi? Il dit, tu dois renoncer à tout ce que tu faisais. Je lui ai dit, je suis chef de gang, c'est le flashball. Il dit, tu dois les abandonner. Le même jour, j'ai dit, je préfère avoir la puissance de Dieu que d'être avec le diable, aller tuer des gens et un jour partir à l'enfer ou être abattu par la police. Voici comment ce même jour, j'ai décidé de donner mon cœur à Jésus. C'est là, j'ai donné ma vie à Jésus. Je n'étais pas les chrétiens qui donnent un peu et après qui retournent. Non, je reviens à Abidjan, je fais asseoir tout mon gang et je leur donne l'information pour leur dire, le gang est dissous parce que j'ai décidé de devenir chrétien. Plusieurs parmi eux se sont mis à pleurer. Ils disent, on n'a jamais pu imaginer que toi qui nous frappais parce qu'on partait à l'église, tu devais un jour te convertir. J'entends des gens qui disent, Makoso ne connaît pas la Bible. J'ai été 50 témoins de Jéhovah. Donc quand je deviens évangélique, je dois étudier la Bible pour avoir la véracité que le paradis existe, pour avoir la véracité que Jésus est Dieu, pour avoir la véracité que le paradis n'est pas sur la terre mais au ciel. J'ai été le seul pasteur qui a fait sortir les 36 versets bibliques qui prouvent par A plus B que Jésus est Dieu. Vous ne connaissez pas l'histoire des gens. Vous jugez les gens en fonction de ce que vous entendez. Facebook, c'est comme un film qu'on met à la télévision. Vous jugez les gens en fonction de ça. Mais quand j'éteins ma caméra, quelle est moi ma vie? Quand j'éteins ma caméra, comment je vis? Comment je travaille? Comment je travaille mon personnel? Mon bureau, comment il fonctionne? Apprenez à regarder au talent qui est dans les personnes. Et non à ce qu'on dit. Je suis Camille Makoso. À chaque fois quand je parle, je répète ce mot. Je suis Camille Makoso. Ça doit rester dans votre histoire. Le seul qui fait combat avec toute une nation et qui gagne. Parce qu'il est innocent. Dieu merci. Quand je parle de toute une nation, je parle de la nation Facebook. La nation Facebookale. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Abonnez-vous à ma page. Je vais prendre des appels. Allô? Allô, 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 allô? Je prends un autre appel. Le téléphone est ouvert. Le téléphone est ouvert. Pas d'appel vidéo. C'est un manque de respect. On fait appel vidéo avec quelqu'un. Allô? Allô?
Je prends un autre appel depuis le Cameroun. Allô? Allô, 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 allô? Je prends un autre appel. Oh là là, je l'ai perdu. Allô? Allô, mon général. Allô? Allô, mon général. Bonsoir, mon général. Bonsoir, c'est qui? Bon, je suis Rodrigue, mon général. Je suis en Tunisie. Je suis l'un de vos grands fans, mon général. Que Dieu te bénisse. Quelle est la question que tu veux poser au général? Pense à vous, mon général. Mon général, moi, je suis venu pour vous demander d'abord si on aura un entretien avec vous. Tu veux avoir quoi, un entretien? Oui, puisqu'on a payé le kit. D'accord, donc ce que tu vas prendre le soin de faire, il faut contacter la sœur... Tu as le numéro de la sœur Gina? Oui, elle nous a déjà parlé, mais moi, général... Non, non, la sœur Gina va faire ta programmation, parce que j'ai fini de prendre tous les gens de la France, de l'Afrique. Si tu n'as pas encore reçu ton rendez-vous prophétique, tu contactes... Non, tu contactes la sœur, comment elle s'appelle? Luce Dreux. Je te donne son numéro, le 00337. 00337 75 0750. Oui, mon général. 00337 75 0750. C'est elle désormais qui est la secrétaire mondiale qui s'occupe des consultations. Dieu te bénisse. Je prends un autre appel depuis le Maroc. Allô? Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Allô? Allô? Je prends un autre appel depuis l'Allemagne. Allô? Allô, 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 allô. Oh là là, je vous entends pas. Je prends un autre appel depuis la France. Allô. On est au Bénin maintenant. Allô. Allô, le général. Bonsoir. Bonjour, mon général. Mm-hmm. Je vous écoute, maman. Oui, je voudrais vous poser une question. Je vous appelle depuis le Bénin. Posez-la-moi la question, maman. Nous qui sommes au Bénin, est-ce qu'on peut avoir le livre? Maman, j'ai dit tout le monde peut avoir le livre gratuitement. Je l'offre au monde entier. Aux 10 000 premières personnes qui vont m'amener un message sur mon WhatsApp, le 00225 01 50 50 22. Tous ceux qui sont dans le monde, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en France, au Cameroun, tous ceux qui vont m'écrire maintenant, là, ils vont recevoir gratuitement le livre. Faites-le maintenant. Je prends un appel depuis le Maroc. Allô? Allô, bonsoir, général. Bonsoir. Quelle est votre question? Bah, déjà, je suis très content. Je suis au Maroc d'origine ivoirienne. Mm-hmm. Et personnellement, je suis très ravi que vous parliez de votre livre. Vous savez, beaucoup de personnes critiquent le héros ou bien idéalisent le héros. Mais très peu de personnes connaissent les coulisses de la réussite. Mm-hmm. Et pour moi qui ai un rapport particulier avec la lecture, j'avoue, quand j'ai reçu votre livre, je me suis dit, je vais faire fi de tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme perception de l'homme à travers les réseaux sociaux. Et j'ai pris le soin de lire votre livre et je peux, de là où je suis, du travail que je fais, confirmer que l'homme que les gens définissent aujourd'hui sur les réseaux sociaux n'est pas véritablement ce qui est. Parce que beaucoup, comme je l'ai dit, ils oublient en fait le coulisses de la réussite d'un homme. J'ai vu quelqu'un qui, dans le livre dont il est en train de parler aujourd'hui à tout le monde, s'est mis à nu. Et quand quelqu'un se met à nu, en tant qu'être humain, la première des choses qu'on doit faire, c'est de lui accorder un respect. Merci. Et ça, moi, je tiens franchement à vous le dire, on peut ne pas partager ce que vous dites dans la forme. Mm-hmm. Mais dans le fond, moi, je crois que vous êtes foncièrement bon. Merci. Et tous les traumatismes que vous avez vécus, les difficultés que vous avez racontées dans votre livre sont forcément la résultante de la personne que vous êtes. Et on le dit, quand le sage monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Moi, je pense que chacun d'entre nous aujourd'hui, au-delà du buzz, au-delà des réseaux sociaux, il faut avoir le discernement et l'esprit critique. Je suis aujourd'hui papa d'un enfant et félicitations. Je suis comme là aujourd'hui parce que j'ai un parcours aussi. Donc on ne peut pas juger un homme aujourd'hui par rapport à ce qu'on voit de nos propres yeux. Aujourd'hui, moi, je vois les clashs sur les réseaux sociaux et je me dis, mais j'étais persuadé d'une chose, il y a une histoire derrière le général.
Merci. Et quand j'ai commencé les premiers chapitres de votre livre, je l'ai dit à mon épouse hier avant de dormir, ce tome-là, il a un départ. Ça serait idiot de notre part de le condamner maintenant ici, sans forcément faire ce voyage. Et moi, de là où je suis, je vous envoie des ondes positives. Merci. Moi, quelle que soit les erreurs d'un être humain, je vais être celui-là qui espère le bon en lui. Merci. Et on dit qu'il y a deux manières d'aider quelqu'un, qu'il soit juste, qu'il soit injuste. La première manière de l'aider, c'est de prier pour lui. Yes. Donc, je vous envoie des ondes positives. Et c'est avec cœur joie que je pense que les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais tant que Dieu demeure proche de chacun d'entre nous, il pourra foncièrement vous aider. Continuez à avancer. Amen. Ça me fait mal. J'étais en Côte d'Ivoire, je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir échanger avec vous. Mais là, aujourd'hui, j'ai fini à peine le travail. J'ai dit à mon épouse, je vais faire l'effort. Et Dieu merci, je suis tombé sur vous. Merci beaucoup. Je profite. Je n'ai pas monopolisé la ligne. Je profite. On dit, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, il faut mettre dans le mettre dans un livre. Et ce livre que le général est en train de vous donner gratuitement, je peux vous assurer, venez avec l'esprit critique, venez avec le discernement. Lisez un pour comprendre. Lisez deux pour entreprendre. Et lisez trois pour pouvoir servir le nombre de personnes. Je vois général Marcaposo ici, mais dans le livre, je vois l'enfant qui a eu des fragilités. Je vois l'enfant qui a eu un parcours difficile. Et moi, je peux le dire, tu es un miracle. Merci beaucoup. Tu es un miracle où le cheminement, tu es le miracle de quoi, avec la difficulté, il y a parfois la facilité. Tu peux être fier de toi et que Dieu te fortifie dans ton cheminement, que Dieu t'aide à pouvoir avancer, à pouvoir aller plus loin. C'était ça ma contribution. Que Dieu te bénisse. Je suis là, je vais continuer à regarder le live jusqu'à ce qu'on puisse me dire que le live est fini. Merci beaucoup. Et vraiment, merci. Que Dieu te bénisse grandement. Je vais prendre un autre appel depuis le Ghana. Allô? Oh là là, il écoute le direct. Oh là là, oh my God. C'est fabuleux. Quand tu entends ces gens de témoignages, c'est pour ça que je vous dis, le seul héritage que je peux vous laisser, c'est ce livre. Toute ma vie, tout mon parcours, toutes mes stratégies, comment je n'avais rien. Même pour manger, je n'avais pas. Ma fille tête jusqu'à... C'est le sang qui sort des seins de ma femme. Comment j'ai fait jusqu'à... Je suis arrivé là. Toutes les stratégies sont là. C'est pas la prière qui m'a mené ici. Hein. C'est la manière, les stratégies, la marmaille. Voilà le livre. Écrivez-moi sur mon WhatsApp 00225. 01 50 50 50 22 pour dire mon général, je veux mon cadeau. Je l'offre gratuitement aux 10 000 premières personnes qui vont m'écrire sur le WhatsApp. Et si vous ne le faites pas, vous aurez trahi votre vie. Je le sais. Je prends un appel depuis le Maroc. Même ceux qui appellent pour dire qu'il est Judas, là, vous pouvez appeler aussi. Hein. Même pour poser des questions, insulter, tout ça, je prends. Ah, le Maroc est déchaîné aujourd'hui. Hein. Allô? Allô? Oui, allô, le père. Bonsoir. Ouais, c'est ton fils depuis le Maroc. Comment vas-tu? Quelle est la question? La question, c'est que le père, tu es un 10. Ouais, tu es un monument. Merci beaucoup. C'est pas ton père. Deux jours là, c'était chaud, hein? Non, père, faut regarder ta vidéo, une vidéo là-bas. D'accord, regarde ça tout de suite là. Laisse-moi regarder ça maintenant même. Même si. Viens regarder ça maintenant. Il m'a envoyé une vidéo. Ok. Est-ce qu'on va s'en sortir? Je prends un appel depuis le Cameroun. Allô? Bonjour, mon général Atangana. Ouais, comment vas-tu, mon frère? Atangana, est-ce que vous savez que je vais mener des démarches en Côte d'Ivoire pour changer mon extrait de naissance? Ah bon? Oui. Je vais exiger. Okay. Je vais mettre les procédures en marche dès demain. Pour mettre Atangana dans mon nom, en tant que citoyen, on va mettre Atangana dedans. Mon frère, si je dois payer millions, je vais mettre ça dedans. Je m'appelle Atangana. Je t'écoute, mon frère, quelle est la question? Je suis ravi, je suis au Cameroun, je suis content de tout ce que vous avez fait pour la réconciliation entre les deux pays, déjà qu'ils ne sont pas des pays haineux, comme les gens voudraient le faire croire. Tout à fait. Et puis, le fait que vous disiez que vous venez au Cameroun, je suis aussi content.
Oui. Pour l'acheter un appartement, je suis content. Ouais, la semaine prochaine, je suis au Cameroun parce qu'il est bien quand un pays t'a sauvé de venir leur dire merci. Ok. Je suis donc agent immobilier. Ok. Je vous demande si je peux prendre la charge de vous sauver au Cameroun. Si vous pouvez prendre charge quoi? De vous trouver une maison étant agent immobilier. D'accord. Il faut trouver les appartements. À Yaoundé, là, c'est. Il y a un quartier. Attends, quel est le quartier où se trouve l'ambassade des États-Unis, là? Rappelle-moi le nom. Bastos. Ouais, Bastos. Voilà. Essaie de me trouver aussi des points verts là-bas. Fais-moi des propositions. Parce que quand j'arrive, c'est toujours à Bastos que je suis logé. Je vous ai bien écrit sur WhatsApp, mais vous n'avez pas lu comme vous êtes occupé. Donc, je vais vous faire des propositions et je vais vous les envoyer. Ça marche. Envoie-moi ça. Que Dieu te bénisse. Ok, merci. Bonne journée à vous. Merci à vous. Je prends un appel depuis la France. Allô? 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 Oui, bonsoir, grand. Bonsoir, mon général. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Par la grâce de Dieu, ça va. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Non, mais c'est pas une question, mais je voudrais vous faire un témoignage, mon général. Allez-y. Oui, mon général, je vous suis depuis très longtemps que je suis dehors. Je suis camerounais. Mm-hmm. Et je suis orphelin depuis l'âge de 3 ans. Mmh. J'ai kiffé votre histoire lorsque vous avez commenté votre vie, dit comment vous avez connu votre femme, les souffrances que vous avez endurées avec elle, la misère dans laquelle vous êtes passé, la prison. Donc j'aime voir les enfants qui ne guérissent rien avant, qui ont bâti une vie, qui sont construits une vie, qui ont un chemin, qui ont donné du sourire à leurs enfants. Mmh. Je rends grâce à l'Éternel pour ça. Amen. Parce qu'à travers vous, beaucoup de gens se retrouvent, se reconnaissent. À travers vous, beaucoup de gens voient les histoires, les souffrances, comment ils étaient abandonnés, vous étiez seuls. Mm-hmm. C'est pour ça que je voudrais vous dire qu'importe tout ce que les gens pourront dire de vous, en général, Dieu a tracé votre chemin. Amen. Vous serez toujours debout. Amen. Sachez-le. Merci. Et j'ai dit dans un commentaire, vous n'êtes plus un influenceur de la Côte d'Ivoire, non. Vous influencez beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes à travers, partout dans le monde, en général. C'est un témoignage que vous faites. Et non, et franchement, avec cette situation, c'est-à-dire quand j'ai vu. Et c'est l'un des conseillers du chef de l'État qui m'a appelé, qui m'a dit, tu ne sais pas, en fait, tu ne sais pas qui tu es. Et c'est dangereux. Parce que tu poses des actions et puis tu as l'impression que c'est une affaire de quartier. Or, c'est une affaire mondiale. Tu n'es plus. Donc, essaye de te faire encadrer. Essaye de te protéger. Mets des hommes autour de toi. Même avant de publier quelque chose sur ta page, il faut qu'il y ait une rédaction qui regarde. Donc, c'est beaucoup de choses qui me faut aujourd'hui. Maîtriser et autres, et ça va donner un autre volume à ce que je fais, mais tout en gardant l'esprit enfant que j'ai en moi vis-à-vis des gens, toujours garder le même esprit, mais le faire encadrer autour, ce serait important. Exactement, et je fais le dernier témoignage en disant ceci, le match Côte d'Ivoire-Algérie, j'étais au stade, tous les Camerounais supportaient la Côte d'Ivoire, le match Côte d'Ivoire-Égypte. La majorité des Camerounais supportaient l'Égypte, mais moi je supportais la Côte d'Ivoire. Beaucoup de Camerounais supportaient la Côte d'Ivoire. Que le peuple ivoirien sache que les Camerounais les aiment. Merci beaucoup. Il y a eu ce petit malentendu. Mm-hmm. Elle ne pourra jamais changer. La haine, on n'a pas besoin de la haine pour vivre. C'est ça. Donc, que ces gens qui attisent la haine, qu'ils oublient cela. Merci la beaucoup. Ça ne sert à rien. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, que Dieu te bénisse. Merci. Merci. Ah, ce message me va droit au cœur. J'aimerais demander. Aux gens qui font les vidéos, on m'envoie des messages. S'il vous plaît, je vais vous demander de me rendre un service. D'abord, Ténor, que Dieu te bénisse. Il faudrait que vous m'aidiez. Vous qui êtes mes abonnés. Vous qui me découvrez. Je ne suis pas ce qu'on raconte. C'est pas moi. Il existe deux problèmes en Côte d'Ivoire. Un, c'est un problème politique. Je soutiens le président Ouattara. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'en veulent pour ça. Deux, dans le domaine religieux, il y a beaucoup de tendances. Je prends un exemple, le président Laurent Gbagbo, ce dimanche, va avoir une rencontre avec des pasteurs. C'est un groupe de pasteurs. Ils ne m'ont pas invité. Donc, vous comprenez déjà ce qui se passe. Donc, entre les pasteurs, il y a ceux qui sont divisés. Il y a ceux qui sont un Gbagbo. Et puis, ils disent que nous, là, on est pour Ouattara. Donc, quand il y a un problème... Ils vont dire à leurs fidèles que Makoso est du diable. C'est pas parce que je suis du diable. Le vrai problème, c'est politique. Mon vrai problème, là, c'est un problème politique. Quand je le dis, j'en ai non, pour pas m'amener le débat sur le débat politique, mais c'est le vrai débat qui est là.
Sinon, j'ai fait quel mal? J'ai tué qui? Il y a des blogueurs, des influenceurs qui commettent toujours des bêtises. Mais c'est vous les mêmes qui dites toujours, pardonnez-les. Mais quand c'est Makosso, on doit le tuer. Quel est le problème qu'il y a derrière? Quelle est la manipulation qu'il y a derrière? Le deuxième problème, c'est un problème de jalousie. Makosso est fort sur Facebook. C'est pas débat. Quand les gens font 23 vues, je fais 35 000. Tout à l'heure, on m'a amené les captures. Ça fait 6 000, ça fait 5 000. Mais j'étais tout à l'heure à 10 000 personnes connectées. Malgré que ma page a plus de 7 restrictions, je ne suis pas leur ami. Donc ça les dérange. Et voir qu'il y a des personnes, malgré tout ce qu'on dit, qui s'attachent toujours, ça les dérange. Il y a des moments donnés où je vais venir vous parler des codes de la réussite. Ne soyez pas comme des abonnés, je pouvais le dire, des détraqués mentaux qui refusent d'évoluer. Moi, je ne suis pas seulement quelqu'un qui va nous parler. Non, lui, là, m'a parlé mal. Non, Facebook n'est pas là pour ça seulement. Il y a des secrets. Comment réussir? Comment avoir l'argent? Quand tu as un problème avec dans ton foyer, comment réaliser? Comment sortir du problème? Voici plusieurs sujets sur lesquels nous allons prendre le soin de parler. Quelqu'un dit quoi? Tu soutiens Ouattara? Oui, je soutiens le président Alassane Ouattara. Je l'aime. Parce que voir quelqu'un qui a été piétiné de 93 jusqu'à ce qu'il devienne président de la République, mon frère, si tu n'es pas persévérant, ça ne peut pas se faire. Mais ça, c'est ma liberté. Je ne demande pas aux gens de forcément aimer le président Ouattara, c'est ma liberté. Mais est-ce que pour ma liberté, on doit m'en vouloir? Est-ce que j'ai une fois dit aux gens, allez voter le président Ouattara? Jamais. C'est ma conviction. Et quand tu lui dis non, tu essaies de faire ça pour te protéger. Mais me protéger de quoi? Quel est mon délit? Quelles sont mes fautes? Quels sont les mauvais coups? Je ne vends pas la drogue. Je ne suis pas dans la prostitution. Je fais quoi de délit? Je fais quoi de mal? Rien. Donc, j'ai quoi me reprocher? C'est comme quelqu'un qui dit, j'aime le président Paul Biya. Et puis, il dit, mais pourquoi tu l'aimes? Il y a longtemps, il est au pouvoir, il doit partir. Ce n'est pas ton problème, c'est sa liberté. Donc, sur ce, que Dieu nous bénisse. Ce mardi, on aura un grand sujet à partir de 20h30. Mais Camerounais, l'entraîneur Camerounais, là, on le vit ou bien on le garde. Ça sera le grand sujet de demain. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle mon numéro WhatsApp. C'est le 00225-01-50-50-50-22. Ne m'appelez pas. Envoyez-moi un message. Dis mon général, je veux mon cadeau. Je vous envoie le livre qui a déjà bouleversé la vie de plus de 15 000 personnes. Vous allez le recevoir gratuitement. Mais pour vous qui êtes en France, vous allez recevoir en plus ces deux éléments. Vous allez le recevoir le 25 mars à Paris, au 14 rue de la Pointe Noisy-le-Sec, on aura une grande veillée à partir de 18h. Vous écrivez à ma secrétaire en France, dont le numéro est le 00337-75-0750 pour lui dire, je veux participer à la convention du général. La semaine prochaine, le général Camille Makosso se déplace sur le Cameroun pour venir remercier le grand peuple du Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Maintenant, pour ceux qui ont besoin de prière, en général, j'ai des problèmes, priez pour moi. Mon WhatsApp pour la prière, c'est le 00225-07-48-79-85-85. Cameroun, merci. Aux Ivoiriens qui ont été blessés, mais qui ne m'ont pas abandonné, qui ne se sont pas désabonnés, merci. Je dis merci aux artistes, même à coach Lady Sonia, qui m'a appelé, qui m'a remonté en tant qu'une coach. Vraiment, si j'ai dit ton nom, ce n'est pas pour te livrer, c'est pour te dire merci. J'ai dit merci à Aya Robert qui m'appelle tout le temps pour me demander est-ce que ça va. Voici mes conseils qu'il te donne à ma petite soeur Lolo Beauté, à toutes mes secrétaires, à tous mes fils et mes filles spirituels. Dans tous les groupes WhatsApp que j'ai, il n'y a pas une seule personne qui s'est désabonnée, qui est partie. Les gens sont restés faibles parce qu'ils ont appris à connaître l'homme. Je suis allé en Israël avec des gens qui ont appris, qui ont vécu avec moi pendant 8 jours. J'aimerais donner un message particulier à ma fille, Madame Saïd Patricia, qui a perdu sa maman actuellement, qui je sais qu'elle vit un vide. Ma fille, que Dieu te bénisse, que Dieu te protège, qu'il te soutienne, toi et ton mari. À mes enfants spirituels de la Belgique, mobilisez-vous pour la convention de la France. À tous mes enfants de la France, levez-vous. Vous savez que lorsque nous traversons les difficultés, notre seule réponse à nos adversaires, c'est dans les conventions. Et vous devez vous mobiliser dans les invitations. Pour que ce programme soit le programme le plus réussi.
Je vous aime de tout mon cœur. Le mercredi, on aura un grand enseignement sur comment réussir en 2022. Le vendredi, pareil. Le samedi, pareil. Et le dimanche, pareil. Vous allez voir le vrai visage du général Kamé Makoso. Quand des gens m'attaquent, font des vidéos contre moi, Lolo Bota qui a un groupe pour aller signaler leurs vidéos. C'est normal parce qu'ils m'attaquent. Toutes les personnes qui font des vidéos, quand vous partez sur les vidéos, là, cliquez et allez signaler pour dire c'est un message de haine. Je vais vous montrer comment ça s'est fait. On va bien vous montrer même. Tapez simplement sur Internet, sur YouTube, comment signaler une vidéo de haine. Vous allez voir. Allez les signaler. Quand ils vont perdre leur monétisation, hein, ils ne vont plus parler de moi. Parce que c'est parce que Facebook le paye que tous les juifs font des vidéos sur moi parce que mon nom leur donne de l'argent. Mettez fin à ça. Que Dieu vous bénisse. Shalom.